bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Tu dis que chaque jour, elle en sort. Déo, je n'aime pas ça. Pourquoi est-ce que Déo me regarde comme ça? Non, mais quand... Oh non, bonjour, quand... comment vous allez? Moi, je vais bien. Parce que Déo sait ce que vous allez dire. Non, Déo, non. Chaque jour, elle en sort quelque chose de... nouveau. Et c'est la pub d'une matinée qui dit, nous en faisons chaque jour un peu plus. Ouais. C'est qui ça? C'est un produit, ça. C'est voiture, c'est banque. C'est une banque. Une banque. Ah oui, je vois. Nous en faisons chaque jour un peu plus. Moi, j'en fais chaque week-end. Un peu plus. Toi, tu dis pourquoi? Aïe. Je suis pas la seule à rire. Ou bien. Parce que c'est pour les autres, tu vois, pour les petites photos aussi. Bonjour, c'est la présence de l'ancêtre plateau ce matin qui crée tout ça. Et regardez son sourire. Tu l'as remarqué? Il a son sourire là. Il tient sourire comme ça. Il y a un sourire dans le matin. Il sourit dans le matin. Il a éviter de ne rien dire. Pour éviter de rien dire. Eh bien, donc, pour dire quelque chose. Dites alors. Double négation. Dites alors. Dites, ah, merci. Bonjour d'abord. Bonjour. Oh, bonjour, 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 bonjour. D'accord, bonjour. Ça va? Comment vous allez bien? Je t'aime bien. Et le nom m'a dit, il y a un peu de plop, plop. Mais qu'à voir un peu. Et le nom vient de il faut mettre. On voit les choses, toutes les choses. Voilà, on va le. Il a mis les choses là-bas. Je vais dire ça comme ça. Un mango le fier. J'ai dit bonjour le soleil. Pourquoi quand vous êtes amoureuse, vous êtes agressive? Agité, agressive. Hein? Quand je suis amoureuse. T'as toujours amoureuse, c'est bien. Non, je suis amoureuse. Tu m'as dit que je suis amoureuse. C'est bien. Déjà, je suis amoureuse de moi-même. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si les ça va? Ça va. Bien? Bien, ça a le droit de sourire maintenant. Je veux bien. Souriez. Maintenant, il faut que les deux le plateau ensemble aujourd'hui. Tu sais quoi, ce qu'on trouve les deux là ce matin, en première heure d'émission, c'est quoi? Ils sont venus en renfort. Il y a un truc qui ne va pas bien. En quoi? En renfort. C'est un futuriste, c'est un tuturi, c'est un futuriste. Non, mais c'est un futuriste. Mais ils foutent quoi là, les deux? Je ne sais pas. Des mais non. Et le plus surprenant de tout, celui-là, mais ok. Non, refais le sourire, la fête est sur ta voix. Je n'arrive pas à le faire. Non, cher Réalizo, guettez-moi ce sourire-là. Quand vous allez voir ce sourire sur le visage de Garcia, guettez-moi et envoyez ça. Je vois mon sourire, je ne sais pas comment ça se fait. Eh bien oui, comme ça, vous verrez vous-même. Il sourit comme une mémé. Il n'y a pas de dents. Exactement. Tu nous as fait quoi? Non, c'est... Hein? Oh. C'est bien... Bien, c'est l'amour, là. C'est bien de revoir l'ancêtre, donc... On en profite au maximum, puisque... C'est frère de Rosa. comme Corona le cache, quand on le voit... C'est vraiment frère de Rosa. Non, mais c'est pas bien, quoi. Non, que c'est pas bien. Non, c'est pas gentil. Frère de nos aïeux. Merci, frère de nos aïeux. Oui, miss. Comme ça, tu es là. Je suis là. Comment personne n'a donné béni? J'ai dit, si tu veux se cacher pour Corona, c'est Gracia. Si toutes les guerres du monde t'ont battu, première guerre. Non, il est asthmatique, comprends. Oui, donc lui. Il était ici, là. Non. Si la lutte pour l'indépendance du Togo ne tombe pas, ce n'est pas le 21 juin. Tu n'es pas martyr. Gracia, c'est moi qui l'avais découragé. Il voulait rester dans le groupe qui allait dans le marché. Il dit, non, il ne faut pas venir nous créer des problèmes. Toi, tu es asthmatique et tu veux aller sur le terrain de Corona. Tout ça. J'ai dit, Gracia, la lutte d'indépendance, la lutte pour la décolonisation et la guerre. Je n'ai pas pu gérer le garçon. Le frère de nos aïeux est ici de nos jours parmi nous. Ces petits confis-là,
tu es frais comme ça. Et puis toi, si tu as cédé à la tentation, à la panique, ce n'est pas ton frère. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous laisse pas rentrer en tentation. Hein? Non, non, je ne voulais pas. Non, mais sérieux. Non, Gracia, dans cette bande-là, avec tout ce qu'on voyait dans les marchés, c'était risqué. Ah, arrêtez là. C'est le vrai de nos aïeux. Et tu lui vas craindre quoi? Oh non, Gracia, c'est ça, hein? Tu ne vas pas me passer. Et puis c'est un bon cavalier aussi. C'est bon, bienvenue, Gracia. Merci. Non, je sais que j'ai rigolé aujourd'hui mal même. Elle rigole déjà mal. Quand je souris, mes yeux rougissent. C'est pas bien. Encore vous souriez, vos yeux rougissent. Et quand vous pleurez? Je ne sais pas ce que c'est. Yeux, c'est du feu qui sort. Hey, réalisez, guettez-moi ce sourire-là qui rougit les yeux. Laissez lui même sourire et ses yeux rougissent. Et celle à qui il sourit, ça fait comment? Les petits cœurs. On va voir ça, les petits cœurs, on va les voir comment? Ça sort. Il faut voir le fond, le sourire. Non, c'est quand elle est là. Mais quand? Non, il faut faire les petits cœurs, il faut faire les petits cœurs. C'est les petits cœurs. C'est comme ma fille, quand tu lui parles, qu'elle veut t'emmerder, te faire. Regardez-moi ça. Bon, en fait, elle n'a pas voulu non plus. Elle n'a pas voulu. Mais bon. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à. On va parler aujourd'hui des taxis à trois roues là. Voilà, le problème a fini avec nous-mêmes sur ce plateau. Et spécialement ceux qui sont sur l'axe Sim-Togo, au grand contournement, la roue du grand contournement Sim-Togo vers Agouin. Il y a certains, vraiment, aussi, qui font le tronçon. Je crois, ben, à Tikodi, ils sont pas mieux. Ils sont pas mieux. Je les ai croisés. Non, aussi. Sérieux. Ils sont pas mieux. Le cas de leur cas devient notre cas ce matin. On va en parler. Et c'est ce qui a fait sortir le frère de nos amis, de ses camarades. Il est sorti de leur résidence. Il est sorti sans bougie. Mais lui n'est pas un revenant. On dit ancêtre, frère de Rosario. Il est sorti sans bougie. Il était sorti pour le 21 juin. Oui, lui il est sorti pour le 21 juin. Je comprends maintenant. On a célébré le 21 juin. Voilà. Et puis ça maintenant, c'est-à-dire que c'est comme on fait la fête pour la sortie des grands fétiches là. Quand on fait libation, mascension, etc. pour la sortie des grands fétiches, les fétiches sortent. Mando dit que tu es Mati. Frère de Rosario. Non, qui n'est pas Mati, mais qu'après la célébration. C'est un Mati qui n'est pas encore parti. Mathieu Vivant qui est là. C'est bien, c'est des élus. Les gars se disent, non, mais vous emmerdez les garçons. Non, pas du tout. Le sourire. Oh, déjà, les dit. Non, ça c'est le rire. Ça c'est le rire. Réalisez-vous. C'est bon. Guettez le sourire de Gracia. Guettez le sourire de Gracia. Pour nous. Bon, vous savez, il faut faire juste un gros plan et puis ne passer plus lisse quand elle parle, ne la passer plus. Il n'y a pas de souci ici, on va attraper ton souris là. Tchoko, aujourd'hui, on va attraper ton souris avant 10h. Allez, c'est grâce, il sera là avec Clovis Nyahu. C'est bien Jean-Claude, hein? Non, David. David Clovis. J'ai vu quelque part Jean-Claude Clovis Nyahu. Quand il va venir, moi je vais lui demander. Si lui se l'appelle Jean, il appelle Claude, il appelle David. On peut avoir un frère qui s'appelle Jean-Claude. C'était lui. Je vais lui demander. Si à l'école, il n'avait pas toujours d'erreur sur la liste de présence et sur ses bulletins de route. Quand on a des noms de tout le monde, on voit bien. Jean-Claude David Clovis Nyahu. Le grand-père a donné, la grand-mère a donné, ton oncle a donné. Ma frère, vous venez, on va discuter entre nous ici, ce matin. En attendant, on va faire la petite histoire de... Ah ben, Dieu m'a su avant de me faire naître. À cette époque, Dieu savait. Voilà, j'aurais été morte de maladie. Mais madame, Dieu, sans... On fait la petite histoire ce matin de la seringue. La seringue, comprends plus. Attends, tu viens. Je présente en direct toutes mes excuses à tous les médecins et les infirmiers qui ont dû me soigner quand j'étais plus jeune. Tu ne peux pas. C'est pas comme si aujourd'hui c'est Oh, va là-bas. Il n'y avait pas l'homme pour moi.
pour me piquer. Vous vous rappelez de ces seringues là qu'on chauffe? Non, j'ai pas. Oh non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, on n'a pas de la dernière fois. On n'a pas de la dernière fois. On a juste vécu des seringues à usage unique. Ouais, ouais. Frère de nos aïeux, on est pas là. C'est des seringues à. Ton souvenir, attends, je vais partager avec vous. Il y a eu. Oui. Sinon, il ne faut pas vous perdre. Chauffer ce rêve là, on n'a pas vu. Laisse-moi faire le cas avec moi. Stérilisation, elle est là pour. C'est le petit frère, cher congénère. Je viens de faire la petite histoire là-bas. Il fait tellement bien d'être de cette époque. Vraiment, ce qu'on a raté. En fait, on n'a rien raté. Vraiment. Yo, on va voir. Allez, la seringue, c'est, on l'emploie couramment même de nos jours pour administrer les médicaments par injection. Ça, c'est quand il y a une aiguille au bout. Mm. Ou alors, des fois, il n'y a pas d'aiguille au bout. C'est même pour des médicaments oraux. On prend pour puiser le médicament. Et vous me direz, Éléonore, que c'est le résultat de plusieurs siècles d'évolution. L'idée de cet instrument médical, elle vient d'où? Elle remonte à l'Antiquité. Hein? Mm-hmm. C'est l'idée, hein? Oui. Mais sa conception a exigé vraiment de nombreuses innovations techniques pour être là où on en est aujourd'hui. Alors d'abord, le mot seringue vient du grec ancien syrinx, qui signifie alors tube. Donc, c'est un instrument qui consiste donc en un tube muni d'un piston sur l'extrémité duquel on fixe une aiguille creuse. Qui donc doit faire injection. Oui, si l'on doit faire une injection. Mmh. Dans le cas contraire, voilà. Et cet instrument donc consiste. Donc, le mot syrinx a aussi donné donc son nom à un arbre qui s'appelait syringa, dont le bois évidé a également servi à faire des injections. Le bois était quoi? Donc, en fait, quand le bois, il était fait d'une certaine manière pour faire. En fait, c'est comme la seringue. C'est comme un tube aussi. C'est comme la seringue d'aujourd'hui. En fait, il n'y avait pas. Au départ, il n'y avait pas de seringue en plastique. C'était en bois et en métal. Pause. Et donc, le premier qui est créé là, c'était en bois et en métal. Eh Dieu, sauve-moi. C'est quoi ça? C'est une sorte de. Ça, c'était pour faire les. Bientôt. Voilà. Infusé, les infusoires, voilà. C'est l'infusoire. Voilà. C'est comme les poires aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, l'arbre dont le bois servait à faire les seringues était appelé syringa. Syringa, mais tiré donc du mot syrinx. Voilà. Syrinx qui signifie tube. Tube. En grec. Ancien. Mm. Et donc, l'idée de la seringue, comment est-ce qu'elle est née? En fait, le fonctionnement de la seringue a été inspiré donc à un certain Pline l'Ancien, donc c'est un Romain qui a vécu au 1er siècle. Bah, l'idée lui a été inspirée par l'observation des ibis. Les ibis sont des oiseaux qui ont la particularité d'utiliser leur bec courbé. Le bec est un peu courbé. Normalement, j'ai une image. On peut avoir une image de l'ibis, s'il vous plaît. Donc, c'est ça? Voilà. Il s'administre donc de l'eau de mer. Comme ça, là, il boit. Il boit, oui. Il est comment? En train de boire. C'est ça que quand vous allez inspirer, c'est parce que tout le monde voyait ça, mais il a fallu que ça inspire plus de l'ancien. Donc en fait, cet oiseau donc se servait donc de l'eau de mer pour faciliter l'expulsion de ses selles. Donc l'eau de mer lui servait en fait de lavement. Bon, il boit et puis ça sort derrière. Voilà. Donc c'est en fait c'est parce que c'est du liquide qu'il prenait avec son bec que ça a inspiré donc Pline l'Ancien. Puisque l'injection c'est une cellule envoyée dans le corps. Voilà. Et plusieurs millénaires avant notre ère, les lavements intestinaux, vaginaux et auriculaires étaient pratiqués donc à l'aide de canules rudimentaires en roseau ou en sucre. Donc ce sont des plantes. Des plantes avec une certaine forme qui était utilisée pour faire donc les lavements. Alors à la base, la seringue servait au lavement. Pas la seringue.
les ancêtres, les on va dire, ceux qui ont fait à peu près les mêmes, ceux qui ont eu à peu près la même utilité que la seringue, ont servi à faire des lavements intestinaux, vaginaux. Et tout à ça. Cette époque, on ne piquait pas encore avec seringue. On ne piquait pas encore. Ok, c'est ce que je voulais. Donc, cette pratique donc, de lavement a perduré jusqu'au 15e siècle. Donc, l'invention de la seringue, elle est un peu plus proche. Donc, c'est à l'italien Marco Gattinaria que l'on doit l'invention d'une seringue pour administrer donc, les lavements au 16e siècle. Mm-hmm. D'abord en bois, puis en métal. L'insoumois a fait l'objet de plusieurs améliorations par la suite. En 1668, un médecin hollandais du nom de Reinier de Graaf a inventé une tige flexible permettant l'auto-administration du lavement. Ah, parce qu'avant, c'est quelqu'un qui faisait pour quelqu'un. Une purée. Bon, on fait comment on se positionne. Non, mais même nos belles, toi, c'est pas nos mamans qui nous faisaient ça. Là tu es encore bébé. Mais quand tu grandis, quelqu'un va te faire Attends, visualise un peu l'image. Non mais si, quand pour accoucher, des fois tu ne peux pas. Hein. Non mais pour accoucher, mais quand tu es bon pour accoucher. Parce que si maman ici elle va m'attraper, elle m'a fait ça. Ah ben tout. Ouais, pour mon deuxième geste. C'était chaud. C'était vraiment chaud, hein. Donc, vous voyez, c'est pas comme si ça ne se faisait pas encore aujourd'hui. Donc, au XVIIe siècle, on utilise des seringues à lavement dotées d'un tuyau droit ou courbe. Il n'y a pas d'image pour nous traumatiser, ou bien. Est-ce que moi-même, je sens que... Donc, vous avez vu, il y a une image qu'on a vue là, l'instrument qu'on connaît. C'était ça. Voilà, soit mais c'était muni de piston aussi. Il y a un truc. Un poids appuyé. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'était celui qui est courbe. Il y en a qui sont... longs. Qui sont droits. Qui sont droits pour les lavements, pour toujours les lavements. Pour le lavement. Mais celui qui est droit, la position doit être beaucoup plus compliquée. Oui, parce que celui qui est courbe, c'est pratique. Tu peux être debout et debout. Puis... mais celui qui est droit, il faut que toi-même, tu courbes... celui qui a fait l'instrument qui est courbe là, il n'est pas bête. Et lui-même, il a courbé l'instrument. En 1628, on découvre donc la circulation sanguine. Et c'est William Harvey qui fait cette découverte. Et ça marque une étape décisive dans l'évolution des usages de la seringue. Mm-hmm. Et tout au long du 17e siècle, les essais d'injection par voie parentérale. Donc, voie parentérale, en fait, ce sont toutes les voies d'administration d'injection aujourd'hui, donc intraveineuse, musculaire, artérielle et tout ça. Donc, c'est l'ensemble qu'on appelle parentérale. On aura appris donc, encore plein de choses aujourd'hui. Hein. Ces essais sont menés par Christopher Owen, Johann Major, Johann Stigmund, voilà le nom. Hein. Attends, c'est celui qui tient comme il traite. Attends, c'est celui qui tient comme il traite là. Non, excusez-moi, mais vous êtes sérieux. Oh là, apparemment, la sirène est sur un support. Hein. Oui, grâce à Dieu, c'est sirène en fer. Les premières transfusions sanguines sont réalisées au 18e siècle. Et ça, c'est la seringue d'Anel. En fait, ça c'est l'ancêtre de la seringue qu'on utilise aujourd'hui. Je suis bien possible. Merci Dieu. Alors, c'est pour envoyer un médicament dans le corps, ça là. Oui. Je suis. Non, je mourrai. Hein. Donc, en fait, c'est un chirurgien français, Dominique Anel, au début du 18e siècle, qui s'est basé sur le modèle de la seringue à lavement. Pour faire donc ces seringues à injection. Parce qu'il a découvert qu'il y a un sang qui circulait. Il a découvert la circulation du sang. Ouais. Et donc il a vu qu'il peut pas faire aussi petit que les autres. Il met ça comme vous. C'était comme à la guerre. Mitraillette, char. Mais vous pouvez dire que c'est ça qui a inspiré les mitraillettes. Mais c'est la seringue qui a inspiré les mitraillettes. Non, sérieux. Donc c'était un instrument en argent. En ce qu'on a vu là. En argent. Et le piston à l'intérieur, il était coulissant.
et on pouvait visser différentes aiguilles ou sondes au bouff. Voilà. Et en 1841, un autre chirurgien français, Charles Gabriel Pravas, il améliore donc la seringue d'anelle qu'on a vu tout à l'heure. Et vers 1850, il y a deux inventions majeures qui interviennent, celle des seringues en verre, un matériau qui rend visible la substance qui est à l'intérieur de... Et celle de l'aiguille creuse. Donc c'était plus du bois ou métal fabriqué de façon, parce que vous voyez que là ça va être plus gros. Si c'est du bois ou du métal, c'est plus gros. Non, donc dit la première seringue là, c'était comment? C'était en bois. Il n'y avait pas une aiguille au bout. C'était pas une aiguille. En fait, c'est le voilà, ça c'est pas une aiguille. Par rapport au seringue. Et ça rentre dans le corps, on te déchire le corps avec ça. On te pique, on te pique. C'est quand même une opération. Tu veux dire, c'est quand même une torture. J'ai vu cette seringue-là, j'ai déjà vu cette seringue-là, puisque mon grand-père était infirmier. J'avais vu certaines... Il va traumatiser les gens lui aussi. Mais comme l'a dit l'ancien, c'était pas des seringues jetables, sinon on ne trouvait pas. Ouais, c'est ça qui rappelle de bons souvenirs à Gracia. Voilà, c'est clair. Voilà, tu as vu ça. Oui, il a vu. Ça, il y en a que j'avais vu. Donc tu me dis que ça, c'est encore plus aïeux que toi. Oui. Tu es jeune. Oui, évidemment. Donc, l'invention de la seringue en verre et de l'aiguille creuse a permis donc une certaine évolution. Donc ça rapetissait, ça a quand même miniaturisé plus la mitraillette. La mitraillette, voilà. Et en 1906, on utilise la seringue graduée en verre. Regardez, c'est ça? À l'époque, elle n'était pas graduée. Voilà, là, vous avez l'aiguille. Ouais, les deux aiguilles. Donc on ne peut pas jeter vraiment. Non. C'est pas jetable. Pas jetable, vous voyez quand même que c'est... Le sida a dû se promener. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas le sida. On n'appuyait pas. Il fallait visser. Non, il fallait tourner. De façon de visser. Voilà. Il faut mettre le médicament dedans. Et puis fermer et visser. Visser. Au fur et à mesure qu'on visse. Le médicament sort. Oh, grâce à vous, êtes sous ce temps-là. Tout regarde. Grâce à vous. Tout le temps le passé entre le et puis l'aiguille, tout ce temps qu'on dévise. Non, je crois qu'il doit faire ça avant de venir devant chez toi. Parce que le fait que. Oh, ça a été de quoi, cet homme? Ça arrête, papa. Et puis il joue. Tout a été pensé pour décourager les gens de tomber malade. Parce qu'on choisit. Non, mais pour que tu saches que la chose a été le. L'instrument a été stérilisé. Il faut qu'on stérilise. Il faut qu'on devant. Ça doit être devant, pas derrière. Ça, forcément. Pour que tu puisses voir un peu tout ce qu'on a. On visse la guille. Mais pas avec la main. On protège avec deux ciseaux. Et puis on. Il est beau là. Là, ouvrir en haut là. Cru. Devant toi. Pour que tu puisses voir un peu. C'est comme aujourd'hui, non? On dit que le bon Dieu, il est omniscient. Il sait à quelle époque il devrait naître. Il sait que mon corps fragile. Ça, c'est le qui. Fonction de ton. De tes fesses, quoi. Toi, tu es sérieux? Non, ça, c'est faux. Je sais pas si non. La guille, ça peut être vrai. Peut être la même chose pour les c'est pas fou, ça peut être c'est vrai. Pas fou. Les traits de muscles peuvent être pour les fesses. Parce qu'il y a plus de muscles, donc il faut plus. Attends, nous-mêmes on a choisi ce matin volontairement et souverainement de se traumatiser. Et puis peut-être que l'aiguille aussi sera en fonction de la taille de la seringue. Si on va prendre une petite seringue, ça sera l'aiguille sera un peu plus petite. Non, mais je pense que l'aiguille sera en fonction de là où on envoie ça. C'est dans muscle, c'est dans veine, c'est dans artère, dans machin. Normalement, c'est des objets de musée. Ça. Une aiguille à la taille de ténèbres. T'as voyé à bousiller. Qu'on va mettre. Non, ça va bousiller. Mais ce que je voulais savoir, donc avant là, les premiers là, les grimes là,
c'est pas aiguille, mais c'est quelque chose qui te pique quand même. Mais le bout est gros. Non, pas trop gros, gros. Mais c'est pas aiguille là. Maintenant, c'est pas aiguille, mais c'était creux toujours. Ou bien c'est pas creux. Oui, il y avait un trou à l'intérieur, on faisait un trou à l'intérieur. Pour que le liquide puisse passer. C'était pas aussi petit que l'aiguille d'aujourd'hui. Ouais. C'est ça, aiguille. Après une injection, habitué à avoir la plaie là-bas. Voilà, c'est pourquoi je parlais de carrément opération chirurgicale. C'est une opération. Après l'injection, tu vas voir. Et en même temps, après, ce n'est pas déjà comme aujourd'hui, on te met un petit coton là-bas. Non. Ça va être un gros bandage. Dans 5 ans, je suis sûr qu'il y aura des aiguilles flexibles. Oui. Aujourd'hui, il y a des aiguilles. Il y a des aiguilles aujourd'hui. Oui. Et tu pour les perfusions. Et justement, c'est la grande révolution. Alors qu'à l'époque, pour le sérum, c'est carrément l'aiguille qu'on envoie. C'est l'aiguille qu'on envoie. Tu ne dois pas bouger. Parce que ça te pique, ça sort. Ça je l'ai vécu. Ah, quand ça sort, tu as la main qui sent. Mais même avec ceux d'aujourd'hui, quand tu ne sais pas bien ça pique. Avec le catéter, avec les Kinimax, entre temps. Nous avions perdu nos jambes. Si il y a des dépôts de plainte contre Kinimax un jour, il faut m'appeler. On va prendre l'argent là. Parce que j'ai repris votre processus de marche en classe de C1. Moi, je vais garder à vie. J'ai les séquelles à souligner. Donc, c'est C1, même CM1, que j'ai réappris carrément à marcher. À cause de Kinima, ça, oui. Donc, toi, avec toi, quand la chanson là, est venue au monde. Bafacho. Nazoli. Bafacho. Nazoli. Toi-même, tu sais qu'il est là. Et tu racontes ton histoire. Tu dis des choses. Tu sais qu'il est là. Il y a des erreurs, on ne peut pas commettre sur terre aujourd'hui. Toi-même, tu sais qu'il est là. C'est parce que tu es venu à futurer avec la qui va te faire gara. Non. Et donc, voilà des. Et comme je le disais, donc. Dans les premières injections comme ça. On retenait les premières injections, c'est en 1628. Ouais, premières injections. 15e, 16e siècle. 16e siècle. Non, c'est 17e pratiquement. Non, les prémices, c'est 15e, 16e siècle. Les premières injections, c'était 17e siècle. Et aujourd'hui, avec l'apparition donc des. Non, mais est-ce qu'à l'époque, ça permettait de faire aussi les transfusions sanguines aussi? La seringue et compagnie là. Non, pas la seringue. Quand on a fait la petite histoire de la transfusion sanguine, au départ, j'ai dit qu'il n'y avait pas de transfusion déjà. C'était des saignées. Donc, on vous. On enlève chez toi. On vous vide un peu de votre sang. Ton sang souillé, on envoie directement chez l'autre. Donc, jusqu'à ce qu'on découvre la circulation sanguine. Donc, j'ai parlé du 17e siècle, là, qu'on a découvert la circulation sanguine. Donc, il y avait déjà les injections. Ok. C'est normal. Pour la transfusion. Sûrement qu'il y avait des transfusions. C'est peut-être plus tard qu'on découvre aussi les groupes sanguins. Voilà, pour voir comment faire les. Alors, mais l'ancêtre de la seringue actuelle. C'est quand même l'instrument qui a été mis au point par un certain chirurgien, c'est un Français, Dominique Anel, au début du 18e siècle. C'est l'instrument de. C'est toujours sur le modèle des seringues. C'est ce qu'on a vu. L'instrument de torture. L'instrument de torture là. Le canon. Le canon. J'imagine en ce temps-là, quand l'on va. Annoncer avoir découvert quelque chose comme ça. Et comme mais c'était ça la même chose. C'est pas tout le monde qui accède. Les nobles qui ont accès. Voilà. Merci. Tu vois, je suis noble et bourgeoise de naissance. J'aurais eu accès à ça. Je ne sais pas. Merci Dieu d'avoir choisi mon époque. Voilà. Ce truc-là, non. Regardez ça là. C'est un gars. Tu t'es dit que le médecin ne peut pas attraper ça lui-même. Il doit poser ça sur quelque chose. Et puis la bonne dame qu'on traumatise, il y a le monsieur qui non, dit. Non, c'est pas une bonne dame, hein, ouais, que c'est un enfant. C'est un petit, la bonne dame porte son enfant. C'est petit qui a la taille. Il s'est tellement traumatisé qu'elle n'arrive pas à bien voir l'image. À Méaba ou les gommés. Non, c'est la maman. Il y a deux têtes là-bas. La maman a pris son petit dans les bras.
C'est le petit qui souffre. Qui est dit, hein. La seringue est plus grosse que l'enfant. Ouais. Tu vois pas le regard de la maman qui dit, ah, oh, mon fils, oh, il y a quoi. C'est les bisous seulement qu'elle fait là-bas. Il n'y avait pas corona à l'époque. Elle faisait encore bisous. Oh, non, même avec corona, nous faisons bisous aux enfants. Sérieux, quoi. Sérieux, sérieux. Donc aujourd'hui, oui. Donc, avec l'apparition donc, des seringues en plastique vers 1970, avec aiguille jetable. Et puis aujourd'hui, la seringue entièrement jetable. Donc au départ, c'était l'aiguille seulement qui était jetable. Ah, ok. Donc avant, on gardait la seringue et c'est que l'aiguille qu'on jetait. Quand j'étais aujourd'hui, on jette carrément. Peut-être que c'est ouais. Celle-là que Gracia parle. Oui, j'ai vu ça, mais il y en a plus moderne que ça. En fer. Vous voyez l'aiguille même, c'est gros comme ça. Mm-hmm. Non, mais sérieux, on n'a qu'à se respecter. Il n'est pas aiguille. Hein. Ouais, mais quand tu vois ça. Tu vois le nom du produit là, qu'on injecte, c'est l'uranium. Ah, on peut pas jeter de l'uranium. C'est l'uranium qui est écrit là-haut. Bon, ok, ça dépend de ce qu'ils vont faire avec. Mais attends, on va envoyer l'aiguille. Non, sérieux. C'est bon, enlevez l'image. Parce que moi, j'ai peur ici. Ça peut sortir de la télé, me piquer ici. Non, il y a plus beau que ça. S'il y a plus beau que ça, envoyez. Sérieux. Plus beau ou plus gros. Les aiguilles qui servaient à la vaccination collective. Et ça, c'est les seringues, je pense, jetables, mais on jetait les aiguilles, ça. Les seringues qu'on gardait, oui, mais les aiguilles, on les jetait. Même l'aiguille, là, regardez quoi. J'ai dit, c'est l'instant fatal ça, hein. Quand le médecin, quand l'infirmier, le médecin, il fait le petit chip, et puis la gousse tombe, terminé. Il fait ça, tic, tic, et bon, tic. Terminé, la bataille a commencé. Ça c'est les jetables, les aiguilles étaient jetables. On va continuer pas à voir les images. Et mais il savait que, hein, on gâtait l'instant fatal. Il fait, tic. Ils savent là. Ils ne sont pas gentils. Il y avait un jeune infirmier, un officier à l'hôpital du Cran ici, au Carité, l'hôpital à côté de la pédiatrie. Le châle. Voilà. Ah, ok. Donc, c'est la pédiatrie. Okay, au temps du docteur Bassabi Kwapé, il y avait un jeune gaucher là. C'est comme si c'était ça, lui, sa spécialité, quoi. C'est qu'à chaque fois qu'on vous amène, lui, il était là, quoi. Il était. Et puis, il avait cette manière à lui. Genre, il envoie ça comme ça. Ouais, il y a des gens qui font ça. Mais il y a des gens qui ont, je sais pas, c'est tard de te piquer. Tu es là, tu as peur. Et puis après, il te dit, c'est fini. Voilà. Ah bon? Oui. Moi, comment il a fait? Je connaissais quelqu'un qui fait, il te tape sur l'endroit avec le guide en même temps. Tu sens que son sa main le truc là, tu ne sens pas le guide qui te pique. Technique, ouais, il te fait ça et puis le temps que le truc de sa main là ne parte, il te dit c'est fini. Non, c'est vrai, mais il y a déjà aussi parallèlement. Ah, petit injection, tu vas traîner la bosse sur ta fesse. Il y a un croc ici. Voilà, il y a déjà. Mais vraiment quoi? Mais ils ont aussi cet art de faire mal. C'est pas donné à n'importe qui. Il y a quelques années, j'étais dans une clinique ici à Lomé. Et je pense que les infirmiers, je sais pas si c'était des stagiaires. Fais gaffe, je suis là. Vas-y. Je sais pas si c'était des stagiaires ou quoi. Elles étaient trop accroîtées. C'est comme si elles s'entraînaient sur moi, mes fesses le jour là. Quoi. Hey. Donc celle-là, pique, on dit non, c'est pas là-bas. Le jour là, quand moi j'étais mourant, je pouvais même pas réagir. Que c'est pas là-bas. Après quand je vous revivez la chose. Voilà. Je me demandais, c'est quoi la meilleure façon de me venger de ces infirmières-là, quoi. C'est des infirmières, non? Tu poses encore des questions. Les clés, c'est clair. Alors, la même promesse a été faite par personne à mon projet de gants à des infirmières. Ici, à l'homme, avant son départ. Elles sont là à me triturer. Je vais me lever ici. Personne à moi. Aujourd'hui, ça fait quand même combien? C'est jour pour jour, hein? Ah bon? C'est le 27 aujourd'hui, 27 juin. Wow. Ça fait 8 ans. Oui. 8 ans jour pour jour que. Je ne savais même pas que c'est aujourd'hui, voilà. Jour pour jour. Projet Erdogan. Ouais, que des fois mes inspirations ne sont pas. Bah ouais. Novio, et puis son téléphone faisait. Novio. Et moi? Et moi, mets les œufs. Novio, avant de dire, mets les œufs, Novio et moi. Novio! Et moi?
comment me lever. Allez, on va revoir la photo de la personne qui est à l'origine de le bala. C'est lui qui a eu l'idée. Ouais, coach. C'est le pas qui l'a tué. Laissez-le. Allez, renvoyez. Ouais. Alors, il a dit vraiment être piqué par les infirmières, mais il n'a pas eu le temps de se venger. Ouais. Comme Déo pensait se venger. Roger Erdogan, journaliste à la télévision togolaise depuis des années, où je ne veux pas dire que je l'ai vu, hein, parce que, est-ce que vous, quand j'étais, quand eux ils faisaient le journal, est-ce que moi je regardais le journal? Non, je ne crois pas. Non, voilà, c'était la belle époque de la télévision togolaise aussi, une belle époque de la télévision togolaise. Et puis, dans ces années, il y a 2000, ça devait être 2006, non? Non, pas 2006, on a commencé le blanc en 2009. Oui, 2009. Donc 2006, on a préparé plus de 3 ans quand même, d'ici au moment de la lancer. 2006, il a l'idée, il se met avec Christian Vaux des vies ensemble, il monte l'équipe. Et on travaille, on lance l'émission, on ne la lance pas, on la lance, on ne la lance pas. C'est le monsieur-là qui est donc le père, le coach, l'initiateur, le patriarche, l'aïeul, l'ancêtre de le bala aujourd'hui. Et il est parti normalement, il pensait que Gracie aurait pu jouer son rôle d'aïeul, mais Gracie a même là. Moi, quand je me souviens toujours de... Il vous massacre avec des coups de gueule et juste après, il dit Novio. C'est fini la petite histoire. Et on a bien fait de tomber dessus. Donc, un gros coucou depuis là où il est ce matin. Et donc, on se dit, oh, Régio, Minassi, ma voilà. Oh, on va pas te laisser la voix. La petite histoire aussi, c'est que quand il s'habille très bien, il te dit, Gracia, c'est parce que je n'ai rien dans ma poche. Quand tu me vois bien habillé, c'est que je suis bien fauché. Quand il s'habille bien, se met en veste ou en basin, là, boubou, comme terminé, égoire le plan. Roger, on va dire, non, mais quand tu me vois comme ça, c'est qu'il n'y a rien dedans. Une grosse pensée à sa femme Vicky, et puis à ses enfants, Renaud et. Roxane et Renaud, ses deux enfants. Allez, tout au long de l'émission, s'il y a des anecdotes de Roger Erdogan, on les enverra toujours. Ouais. Il est là, c'est lui l'esprit de cette émission. Moi j'en ai. C'est lui qui a. Tu dis 80, grâce à qui donne son numéro de téléphone à gars. 90, 30, tu dis 90, 90. 81, on ne le dit pas 81, 81. 80, ben il était vraiment vraiment à cheval sur le français. Il dit le français, ça se parle ou ça ne se parle pas. Et puis il me souvient le jour où il a parlé de quelqu'un, dit mais le gars est extraordinaire, mais il te parle couramment le charabia. Il te parle mais couramment le charabia. Mais toi, il y a tout le monde pensait que c'était ouais. Il dit mais c'est extraordinaire. C'est la chute qui ne fait pas parce qu'il mais il nous mettait en admiration quoi. Le gars, il est à l'aise dans son charabia, mais il te parle mais couramment le charabia. Oh Roger, allez, il repose en paix déjà. Il repose en paix. Il va continuer par reposer en paix. Paix à ton âme encore, Roger Erdogan. Allez, on va souffler fièrement et on revient pour les infos de Karine. Et à l'époque, l'aération de le bala, c'était Sérieux, je ne sais pas d'où il a déniché ce truc-là, mais vraiment. Allez, l'émission continue. Coronavirus. Allô, maman, solution hydroalcoolique. Coronavirus.
kana ye yeti kanda ne yo be bakam kanda fa konyi na loba na tinso ye ngwishi esa sanga kere sanga ni sheke shemanyi ni nzwe be ofrika na hidro alkolik ye ngebo tongo shemanyi re nge peya ye yo ane ne peya fa go yesa na ngurmanu ye bita ankiti ankiti be ye nyamfa yo juma ne kaba fati ngereku moye bai ba ni biye so wakere ba nkano ngu na senga ebe ngunu ni tinyi ni tore na lam ma bo jijiki tono soro na afri doktem butangarafu lamba ya ne burniku na saram ngana 111 Nenya tewu ahwa pa na corona virus dolelia agbenno oja de ko nyaza ni no asikron gbejeje ple ajane alo nyano tisi me atikele zan atono asitutum ni pe alo mingela bogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza de ka ejebe nyato afugbe enumake nenye ba merele dolelia lema neno afome eye afoka to no basiaji alofa de ka wideke Alors, oui, toutes nos excuses pour le son qui a défailli entre temps. Après un quart d'heure d'émission, jusqu'à un quart d'heure d'émission, le son apparemment n'était pas bien. Merci d'avoir attiré notre attention sur ce fait-là. Les techniciens, vous savez, ils ont couru dans tous les sens comme de beaux diables. Ils transpirent en pleine climatisation et ils ont pu régler ça. Merci à tous ceux qui bossent là-haut. Merci bien. Alors, jusqu'à lui-même, il ne sait plus. Ok, ouais. Super. Et les infos décalées. Mm-hmm. Après le, après les, la petite histoire torsionnaire de Léonore, c'est les infos décalées maintenant avec Daniel. Mm-hmm. Alors Daniel, on commence en Afrique du Sud. Oui. Une mère s'afflige. En fait, avant de commencer la rubrique, il faut quand même que je vous explique ce que c'est que cette rubrique-là. Alors cette rubrique-là... Mm-hmm. C'est la rubrique de, des informations qui sont décalées, décalage assuré, c'est-à-dire que des trucs, voilà quoi, c'est ça. Comme ça on le dit, c'est du décalage. Donc le décalage dans la nature humaine, décalage global quoi. Et donc en Afrique du Sud, il y a une mère qui s'est mariée avec sa fille. Pour quelle raison? Il paraît que la raison est incroyable. Ouais, ben c'est des raisons bidons. La fille s'appelle Lolita, elle a 26 ans. Et la maman s'appelle Loretta, elle a 44 ans. Il y a un problème, elle est non? Non, ça bon. Et donc, ils sont mariés à Cape Town, en Afrique du Sud. La fille, enfin, la mère dit que sa fille l'a menacée de partir de la maison, de la quitter, si elle ne se mariait pas avec elle. Et donc tellement qu'elle aimait sa fille, elle ne pouvait rien lui refuser, qu'elle a accepté. Alors qu'est-ce qu'elle faisait ensemble déjà? Qu'elle a accepté. Jusqu'à la fille menace de partir de la maison. Ça c'est la fille qui va nous le dire. Donc, qu'elle a accepté son amour pour sa fille, ne lui permettait pas de dire non et de la voir très loin d'elle. Et donc finalement elle a accepté de l'épouser. Et la fille, la raison c'est que depuis sa naissance, elle n'a jamais eu droit à un père. Que c'est seulement sa maman qui l'a élevée et que elle aime énormément sa maman et sa maman attends je faut faire vite, on va passer à autre chose. Sa maman la rendait super heureuse au lit. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait ensemble dans la maison jusqu'à la fille dit si tu ne me pousses pas je vais partir. Sa maman l'a fait quoi? La rend super heureuse au lit. Donc c'est la maman qui a commencé l'affaire. Ça c'est clair, c'est selon la chute de l'enfant. Hey Dieu. C'est Dieu. Tu ne faut pas te fâcher. Mais comment on te dit de ne pas te fâcher dans tout ça? Non mais j'aurais été pour là, c'est eau chaude, j'ai envoyé depuis sur terre ici. En Afrique du Sud, mariage homosexuel autorisé. Est autorisé. Donc, on va passer rapidement pour ne pas donner des idées aux gens. On va passer au Gabon. Non, au Gabon, c'est pas autorisé. Ils viennent, c'est cette semaine, ils viennent de dépénaliser. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Et puis il y en a qui sont là à faire des gymnastiques. Que la dépénalisation, ce n'est pas encore la légalisation. Mais là que la dépénalisation, c'est qu'il y a plus de peine si tu es homosexuel. Mais que ce n'est pas légalisé. Il y a des gens qui veulent faire des gymnastiques intellectuelles bizarres. C'est dépénaliser, c'est dépénaliser. Arrêtez-moi ça. J'ai dit, dans Covid, là, c'est ça qui est plus pertinent pour les gens. Assemblée nationale, ça s'assoit sur les fesses pour étudier, test sur ça. Et je n'ai pas donné. Bref, donc on continue.
Hey, quoi. Ça c'est moyen. Ah ouais, moyen. Ça c'est moyen, moyen. C'est moyen, moyen. Ils sont en France. Oui. Et c'est un village qui a eu toujours eu son nom mal orthographié pendant 60 ans. Exactement. Et le village, ils sont contents maintenant parce que le village retrouve son véritable nom. Oui, ils ont mené une lutte pendant 2 ans pour retrouver leur. C'est dans le Puy de Dôme. Pour retrouver leur véritable nom. Le nom c'est Vieux-Sange à la base. Donc pour l'écrire, il y a eu omission d'un S, donc ça revenait à Vieux-Sange. Donc dans les papiers administratifs, on mettait Vieux-Sange, mais sur les panneaux qui indiquaient le village, sur les panneaux plutôt dans le village, eux-mêmes ils écrivaient ça normalement, Vieux-Sange avec deux S. Maintenant dans les papiers administratifs, on mettait Vieux-Sange avec un seul S. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est ce que vous racontez. Faut lire demain. Tu dis que ce n'est pas le nom qu'on écrit au village qu'on retrouve. Exactement. Non. Sur le papier, plutôt, on écrit Vieux-Sange. C'est sur le papier administratif qui se sont trompés. Donc, sur les naissances, voilà. Tout ça des gens, c'est Vieux-Sange. Exactement. Alors que mais dans le village, eux-mêmes, ils écrivaient Vieux-Sange. Et ça les dérangeait. Voilà. Et donc, c'est dû probablement à une erreur au moment de la saisie. Ça les dérangeait. Qui avait la tête en l'air là-bas. Voilà. Et donc, c'est clair. Et donc, pendant 2 ans, ils ont réclamé, bataillé, même avec le maire de la commune à leur tête et tout ça. Et finalement, 2 ans après, ils ont eu gain de cause et ça a été changé. Même au niveau administratif, maintenant c'est Vieux-Sange. C'est Vieux-Sange. Il doit y avoir combien, 15 ou 16 habitants, non? Et ils sont aux anges. C'est un petit village de rien du tout, ils n'ont pas clair, de problème. C'est ils se battent, vous. Ils doivent avoir des 3 habitants, mais 4. Allez, on part en Allemagne. C'est un bureau de poste qui a été évacué quand même pour une raison aussi. Que c'était l'odeur pestilentielle d'un fruit. Oui. Le fruit était envoyé. Oui, le fruit doit être envoyé. C'est de l'Allemagne d'une ville à une autre quand même. Mais à la base, les agents de la poste ne savaient pas que c'était un fruit qui était dans un colis. Qui empestait. Eux, ils pensaient que c'était un colis piégé. Oui, un colis piégé par. Un gaz pour nuire à la santé des agents de la poste, puisque déjà il y avait 6 personnes qui ont commencé par se sentir mal, qui a vomi, et il y a 6 autres qui d'ailleurs. On est connecté, je t'ai envoyé pour que tu puisses nous dire un peu ce que c'est que ce fruit là. Le fruit s'appelle durian. C'est un fruit thaïlandais. Et le nom nous dira un peu plus sur le fruit. Et donc, la poste a dû appeler la police qui est venue évacuer la salle. 6 personnes ont été envoyées à l'hôpital parce qu'ils ne se sentaient pas bien déjà. Ils faisaient des crises. Et 6 autres sur place vomissaient. Donc, on pensait que c'était véritablement. Une âme bactériologique. Voilà. Et donc. Qu'est-ce qui a été fait après avoir évacué les gens? Ils se sont rendus compte que c'est ce fruit-là qui. Ça pourrissait ou comment? Non, c'est son odeur naturelle, normal. Oui, c'est un fruit qu'on consomme, mais qui pue comme ça. C'est son odeur normale, ça. Son odeur normale. Pour des gens qui mangent du camembert, ils mangent des fruits là comme ouais. Ça aussi. Après, quand on s'est rendu compte que c'est ce fruit, on a fait ce qu'il y a à faire pour sortir l'odeur. Oh, moi, si c'est moi qui ai envoyé là, vous envoyez mon colis à destination. Non, mais là, le colis quand même a été envoyé. Ok, merci. Le colis quand même. Je ça comme ça. Non. Comme ils ont su que ce n'est pas quelque chose de dangereux pour la santé, le colis a été envoyé. Les comment agents, vous avez le fruit là Du rien. Alors, c'est un fruit
qui vient d'Asie, d'Asie du Sud-Est. Mmh. Et il a une très forte odeur. Donc ça se présente un peu comme le Corosol avec des graines. Oui, on a vu l'image. Il y a des graines à l'intérieur. Et l'odeur est tellement forte qu'il y a de nombreux pays d'Asie du Sud-Est qui l'interdisent dans les lieux publics et dans les transports en commun. Donc c'est un fruit qui, en fait, il sent mauvais dès qu'on le cueille. Dès qu'il est cueilli, l'odeur est diminuée. Donc dans les plantations là, s'il y a plantation de ce fruit là, c'est que c'est gâté là-bas. Wow. En fait, dès qu'on le cueille, l'odeur n'est pas aussi forte. C'est quand il... Avec le temps. Avec le temps, dès qu'on le cueille, il ne sent pas aussi fort. On sent rien. Mais au fur et à mesure... En fait, il est utilisé, selon les informations que je vois ici, il est utilisé pour faire des glaces, des confiseries ou des pâtisseries. Ah bon? Voilà. Non, c'est le truc dedans, la jaune, qui doit servir à faire. Les graines sont comestibles, donc elles peuvent être grillées et servent à préparer des gâteaux. Je pense que la chair blanche aussi dedans. Il y a un truc blanc là. La chair blanche aussi est. Oui, c'est les graines qu'on a vues jaune là. C'est plutôt la chair qui est comestible. En tout cas, il y a une chair blanche aussi qui est comestible avec les graines jaunes là. Peut-être c'est la chair qui est utilisée pour faire les glaces. Et apparemment, c'est la chair qui sent aussi bien comme ça. Vous disiez que quand ça se gâte, quand ça commence à se gâter, l'odeur. On a dit que la chose n'est pas gâtée, mais l'odeur c'est gâté. Et tu dis que c'est gâté. Façon dont ça sent mauvais, c'est comme ça. Non, ça doit être doux, sinon pourquoi les gens vont se. Et l'emballer, envoyer. C'est pas comme si on dit qu'on le prend pour faire des confiseries, des glaces, des gâteaux. C'est que ça doit avoir un goût comme ça. Non, mais c'est peut-être à manger, peut-être l'odeur n'est pas aussi forte. Hein. On dit que l'odeur évoque selon les personnes, les oignons pourris. Donc imaginez, oignons pourris, ce que ça. Ça sent tant que on l'interdit dans les transports en commun, vous imaginez que ce n'est pas l'odeur de. On y est noyé. À notre réunion, à notre c'est parfum enlevé ou bien. Oui, c'est comme à notre. Moi je sais qu'ils appellent, ils disent l'invida, je sais pas. À notre. Ah, je connais pas. Même à Fiti, là, on n'a pas refusé d'un. Non, sérieux. À Fiti, on n'a pas refusé d'un transport en commun. Non, notre Fiti, notre célèbre Fiti aussi, a un grand frère. Vous imaginez que ce fruit a quand même envoyé 6 personnes à l'hôpital. Ils sont fragiles, on les connaît. On les connaît. Allez, et on va finir. Je veux bien qu'on finisse avec ce papy-là, au Bénin, qui passe à 68 ans, son CPE. Ah. Filmé, je sais pas. Ah non, c'est juste une image d'illustration qu'on a, c'est pas l'image du monsieur. Alors, vous savez, le CEP, certificat d'études primaires, c'est l'équivalent du CEPD ici. Donc, c'est le premier examen, le premier diplôme qui couronne les études primaires. Généralement, vous savez, les candidats qui passent ça, ils sont aujourd'hui même, ils peuvent avoir 8 ans, mais ça varie entre 9 et 12 ans. 9 et 12 ans pour passer le CEPD ici au Togo et le CPE. Donc, pour la session qui va se passer en juillet prochain au Bénin, c'est cet homme de 68 ans qui se présente en tant que candidat. Et dans l'histoire du Bénin, il paraît que c'est une première, un truc de ce genre. Voilà. On avait parlé aussi d'un monsieur qui avait passé, je crois, le bac avec son enfant. Mmh. C'est en Côte d'Ivoire. Ah, on en avait également parlé. Passer le bac avec son enfant. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Ouais. Hein. S'il y a une dame de 40 ans qui lui a passé son CEPD cette année, 40 ans. Bon, elle a je ne sais pas si c'est toujours en Côte d'Ivoire, mais on a parlé également d'être détenu, un certain nombre de détenus qui passaient le bac dans un pays de l'Afrique. Je ne sais plus si c'est en Côte d'Ivoire. Ça remonte en 2 ans. Ça remonte à 2 ans quand on a parlé de ça. Ah ben, bonne chance
à papy. Papy, 108 ans, bonne chance. Papy, à la fin, on dira youpi. Bah oui, c'est clair, papy, on m'a dit youpi à la fin, c'est clair. Oh, c'est... Il n'y a pas d'âge pour étudier, non. Quoi. Quand vous êtes là, vous dites que voilà, je suis trop vieux, trop vieille pour apprendre un métier. Et n'y en a pas, et à maman, n'a pas droit. Je me rappelle quand j'étais retourné à l'université. Non, oui, c'est. Dans cette affaire, plusieurs vagues. Il n'a pas dit quand il était à l'université. Non, quand j'étais retourné. Il est allé à l'université, puis il est parti à la retraite. Il étudiait ma bande, dit monsieur, vous êtes assistant de notre professeur. Il a dit non. On est des collègues, je suis de votre promotion. Ah bon? Oui, c'est de votre promotion. Pareil, comment je suis retourné en fac il y a. Il y a 5 ans, non? Il y a 5 ans. Oui. Il y a 5 ans déjà, parce que ça fait le master déjà, ouais, donc ça fait 5 ans. Il y a 5 ans, mes camarades de classe, il y en avait à 16 ans. Mamie, là. C'est intéressant de retourner à l'école. Mais bon, mais là, ça peut voir cette même Billy. Même Billy. Oui, j'ai fait avec Billy. J'ai fait avec Billy. C'est-à-dire, mais ça te fout une pression extraordinaire, ouais, quand même. Clair, hein. Parce que, quand même, il faut pouvoir. Maman a envie, oh, le En plus, moi, c'est vrai, ça. Et non seulement ça, moi, voir la télé. En plus, on me voit là. Non seulement je suis là, maman, ah. Là, maman dit quoi. Et tu as venu t'amuser avec les petits. Non, tu as venu t'amuser avec une autre qui avoisine Pi. Pi. La prochaine année, quand on affiche les notes. Mais c'est ça, tu peux. Non, quand on affiche les notes, quand les gens ont leur tableau d'affichage, je suis sûr que c'est pas leur note. Ça, c'est clair. On cherche ton note en premier. C'est clair, c'est mes notes. Ça te fout une pression, mais extraordinaire, énorme. Mais c'est bien, c'est là que tu vois comment on peut être des fois. Excusez-moi, c'est pas de l'insulte, mais c'est un constat. Comment on peut être des fois inconscient quand on est jeune. Je me suis demandé, est-ce que j'ai été comme ça? C'est-à-dire que l'enseignant est là. Tu as payé des centaines de mille, 650 000 premières années. L'inscription ne compte pas pour venir apprendre. Tu es en classe. Pour venir te distraire. J'ai dit, hein, l'enseignant est là. C'est le droit. On t'explique quelque chose qui n'est pas simple à comprendre. Mais nous-mêmes, là, j'ai fait comme ça pour écouter, pour expliquer. Et il y en a d'autres. Qui font selfie derrière, quoi. Qui disent que, tu sens que. Ce n'est pas comme s'ils étaient en retard, mais ils ne sont pas dans la barque. Tu dis, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est là que tu te rends compte comment on lui paie les collages, on lui donne l'argent, on le nourrit, on la nourrit, on lui paie pour aller se faire former. Mais l'enfant vient en classe, il s'amuse. On le supplie d'aller. On le supplie d'aller se former. Et quand les notes sortent, s'il n'y a pas magie dedans, hein, puis compagnie. Non, je sais qu'il ne fait pas l'étonner. Et alors qu'ils font l'étonner, oh, hein? Comment tu peux dire ça? S'il ne faut pas l'étonner, papa, maman ne va pas savoir. Il faut quand même que tu fasses l'étonner, que non. Oh, et puis viens, Kébia, quand tu as mis moi, il va aller dans 4 ans. Tu es même un répétiteur à la maison. Je te le promets là. Donc je me dis, tu ne peux pas juger parce que je me dis peut-être que mais je ne crois pas que j'ai été pareil. Non, mais c'est là, tu te dis quand même que. Là, je le sais quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont. Et c'était une insouciance comme ça, et puis t'es là. Certains qui sont conscients. Oui, non, je suis sûr. Il y en a qui sont bêtes. Bien sûr. Je connais. C'est la vraie jeunesse. C'est une calamité pour le futur. Calamité. Des fois, on dit calamité. Non, ça dépend du degré de. De choc. Parce que c'est. Non, sérieux. Sinon, moi, je connais aussi un gars comme ça, on a fait l'université ensemble. Lui, il faisait tout pour ne pas réussir. Il le faisait exprès. Il vivait en France. En Europe, on l'a ramené. Voilà, à cause de ses bêtises, ses parents l'ont ramené au Togo. Donc, il voulait repartir. Non. Il dit non, s'il travaille bien ici. On va le garder ici. Non, il voulait repartir. Donc, même le concours, on a passé, le concours d'entrée, on a passé là. À l'époque, je crois que c'était Comment Mali, le ministre de la Santé. À l'époque. On demande le nom du ministre de la Santé. Il va mettre le nom du ministre de la France. Au Togo, il fait tout. C'est à moi pour exprès. Mais son père aussi a dit il va fréquenter à l'ONU. Tu vas faire. Il va faire tout. Mais il a réussi. Il a réussi au concours. Il a tout fait pour échouer. On a tout fait pour qu'il réussisse.
Maintenant, on commence le coup, mais c'est quelqu'un qui n'est jamais là, qui sort, qui... C'est-à-dire, il fait tout pour... C'est lui, personne ne veut qu'il soit dans son... Oui, quand on veut former un groupe de travail, personne ne le veut. Alors, on est sûr qu'il ne va pas venir faire. Il ne va pas venir Et puis, il va vous planter votre présentation. Maintenant, quand vous allez lui attribuer une partie à présenter le jour J, il va vous planter la partie, parce que lui, il ne veut rien faire, juste pour retourner en France. Vous voyez. Et il m'a supplié un jour, on a un peu, j'oublie le nom du E, ça nous amène à discuter, à inventer des histoires, à créer des histoires. Donc le prof dit, tu es parent, tu envoies ta fille en Europe pour étudier et finalement, toi-même, tu fais un voyage d'affaires en Europe et tu as besoin du service d'un escort girl. Tu tombes sur ta fille et c'est ta fille qui est escort girl. Raconte la suite de l'histoire. Donc, l'enseignant donne un topo comme ça. Exactement. Et puis on vous demande. Et lui, il va dire une bêtise. Il sort une grosse bêtise. Il dit quoi? Il dit, il est dans la chambre, la on sonne, et il va ouvrir, il tombe sur sa fille, il dit, yo, ma fille, tu fais quoi ici? Et sa fille dit, non, que en fait, son argent qu'il lui envoie ne suffit pas, donc il fait ça pour... Il dit, ok, rentre, couche-toi. Et son histoire est terminée comme ça. Rentre, couche-toi. Non, le prof est choqué. Ah oh, choqué. Le prof a imaginé tout ça. Traumatisme, il est traumatisé. Nous autres, on passait, on racontait des histoires, on donnait des conseils, on faisait. Il dit, rentre, couche-toi, déshabille-toi, couche-toi. La fin de l'histoire. Allez, ben vraiment quoi. Prenons sérieux ce que nous faisons, chers jeunes. Et puis, il n'y a pas d'âge pour étudier. Si vous êtes là encore, que vous décidez, vous dites, je veux faire ci. Des fois, vous avez votre diplôme dans quelque chose, hein, mais vous dites que je dois reprendre. Moi, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité 2 ans avant de repartir. J'avais mon diplôme en journalisme. Mais je voulais faire le droit. Je pensais que je pouvais continuer. Mais on dit pour apprendre le droit. Ça prend. Tu le pars en première année. J'ai hésité, mais après, je l'ai fait. Mais c'est complètement passionnant. Ouais. Tu es la mamie parmi les élèves, les enfants. Mais c'était bien. Et puis, tu t'enrichis, quoi. Je reprends l'année prochaine. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Vous reprenez. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Surtout après le bac, là. C'est plus facile encore avec le LMD. Maintenant, regardez le papier, là. C'est maintenant que lui passe son CPD. Et je suis sûr qu'il va vouloir faire son BPC et compagnie. Si Dieu lui prête vie, il va vouloir faire le reste. Donc voilà. Le conseil que je donne aux étudiants, c'est de ne pas attendre les bourses et les aides pour vivre. De se débrouiller, vous. On m'a encore donné ce conseil à qui? Trouvez un petit métier, faites quelque chose et puis après. La suite de l'émission, tout de suite, c'est feu rouge. Il y a des conseils qu'on ne donne plus parce que vraiment tout le monde a ses yeux. C'est dommage. Tu vois des étudiants qui sont là, rivés à la télé. Tu vois WhatsApp, tu veux dire aussi. WhatsApp et puis. Heureusement qu'ils ont l'argent pour acheter le méga, c'est bien. Ah oui. Ah non, bien, ils viennent le 2 février pour être le. Bientôt, ils vont couper ça aussi. Bon, bon. Feu rouge. Est-ce qu'on va souffrir? On va souffrir, bien sûr. Oui, souffrons. Aération. Rekwende lala yo kudonguru ya gozu coronavirus yole wetna tu wendu yem kelon wese risangu rene sinelim no fofo dundrun ya fofo la kudangu ngo enyalo ne ne sio jere chire ya bazimta ngbezu ya njimsule nyenu ngo da ngbezi ya njimsi kizu ya gamelo ngo bala kundumiyo ndela bunu gule lokugwagwa ye kudongu ne gungo yo njak nyarwa ruru bien iya ganga la fin mo ganne ga masio vala pa heu na bu nga minun hunu gurum français da 111 nana do to dad pere na do to bagana ro pere na ku don kunna disam da nuzi lale lale na fofo ya limu ba ya be se idru alcoolique na di pezi ya de ci basse da tanga da nuzi nda do doke ankitiyawa wensi abala na sitme bete bajam bembe de sena abge danyade do cho de dezinda buta de ya lakuto balbede fala nambando kudumu France dana 111 do peritengu ntuku kwa
de gunt lieb coronavirus yalo koy la gbol yalla paka te tu nirit nu yeen tieb ya yokul ay mo ñu ko mbakk bon koy na soxani ayebu ku ayebu cind tan tibna ngi on gida ko nibe ko ay jom nu fi nga ba gu fiamant nan lu fun mba yel nga kala nga po gu potangala po lama ko bu yen pig yen yen akam passer. Ok, d'accord. Notre radio, il est là. Non, il est là. Monsieur Clovis Nyawi, comment vous allez? Je vais vous appelez Jean-Claude. Merci. Oui. Ah, il y a qui, mon ami? Jean-Claude David Clovis. C'est un nom composé. David Nyawi Clovis Jean-Claude. Non, en fait, le nom de famille, c'est David Nyawi. Oui. D'accord, donc c'est Jean-Claude Clovis. Oui. David Nyawi. Voilà. Donc, David, c'est votre nom de famille. Oui. C'est bien. Et Jicoco pour les intimes. Oui. Oh, Jean-Claude Clovis. Clovis. Jean-Claude Clovis. Ça va, Jicoco. 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 Non, il y a un toco. On appelle ça en anglais. Jicoco. Quand vous étiez au parcours primaire et à l'école, là. C'était le seul vous qui levez souvent la main, genre, on a posé votre nom sur la liste ou bien tout ça, non? Parce que il va arriver forcément qu'on n'écrive pas bien ou bien qu'on nous mette. Si vous avez plusieurs noms comme ça, ça arrive forcément. Partout, je passe, les gens toujours faussent bon nom. Avoir plein de noms, c'est le problème. C'est la gaffe. C'est pas fini, j'ai encore deux autres que. Jusqu'à... Ah, faut dire. Ah. Faut dire. Bon, je suis originaire du Bénin. Au Bénin, on a beaucoup de noms. Ok. Non, c'est le nom français là. Pas, c'est pas Alphonse, c'est pas Crépin. C'est lequel? C'est Bernadette. C'est Jean-Clovis. Jean-Claude. Ah. Les deux autres, c'est quoi? Mais non, c'est le nom du village là. Vous n'avez pas le nom. Moi, je m'appelle Nimtu. Laisse tomber. C'est les deux prénoms qui viennent de donner. Kouvi, Vignaco. Donc, attends, sur votre naissance, il y a tout ça? Oui. Ils sont venus à la ligne, c'est ça? En fait, moi, je pense que j'avais un nom kilométrique. Attendez, donc ça fait David Nyawi. David Nyawi. David Nyawi. David Nyawi, nom de famille, oui. David Nyawi. Jean-Claude. Clovis. Kouvi. Vignaco. Vignaco. Olaf, c'est une confusion. Et quand j'étais petit, on m'appelait Bobina. Hein? Bobina. Finalement, vous appelez comment? Finalement, tu m'appelles Clovis. Clovis. Bobina. Bon, ce sont les vieilles qui donnent ces noms-là. Bobby, Bobby, Bobby. Bon, c'est ma grand-mère. Après, c'est un coréen. Non, en fait, il était beau. Bah, il a bina, tiens. Ouais, ouais, Bobby, Bobby, Bobby. Bobby. Bon, ouais. Hey, c'est ça, bien sûr. Allez, merci d'être sur le plateau. On a fait un peu la petite histoire de vos noms. Et puis on va donc vous allez parler de on va parler des taxis à trois roues, oui, c'est ça. Oui, on va parler des taxis à trois roues et de tout ce qui va avec. D'abord, il y a un phénomène qu'on constate au niveau de ces taxis à trois roues, c'est que normalement ils devaient prendre les passagers juste derrière et le nombre de passagers c'est trois. Mais on constate que à côté du pilote, du conducteur. Le conducteur est pris en centre du champ. En fait, il y a encore deux passagers autour. Et donc, ça fait cinq passagers. Et les sièges de ces deux passagers devant, c'est des sièges fabriqués. Ils fabriquent eux-mêmes, ils bidouillent, ils fabriquent les sièges. Et puis, ils font l'effort aussi de fabriquer des barres pour empêcher les... ceux qui prennent en sandwich le conducteur de tomber quoi. Donc c'est un peu le phénomène qu'on constate. Et d'abord j'aimerais savoir quel type de permis on doit avoir pour piloter cet engin là. Oui, merci. Avant ça de, c'est la forme de, avant de répondre à votre question, je vais dire un petit bonjour à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs et à tous les usagers de la route. Bien, et le problème des tricycles là, vraiment, c'est un problème qui nous dépasse nous-mêmes. Parce que ce que nous voyons sur la route, ça laisse à désirer. Et là, tout de suite,
d'une part, je peux accuser la police qui, vraiment de ce côté-là, ne fait pas beaucoup d'efforts pour réprimander ces gens-là. Normalement, ce type de véhicule, c'est trois personnes derrière. Mmh. Et où il y avait le conducteur qui a son guidon. Mmh. Sans Covid, bien sûr. C'est ça, il dit normalement. Voilà. Mmh. Et le conducteur, c'est un guidon comme le guidon de la Vespa. Mmh. D'accord. Maintenant, ils se permettent de mettre encore deux autres là à côté. Mmh. Donc là même, lui-même, il n'est plus libre. Mmh. N'est plus. Donc ses mouvements seront saccadés. Mmh. D'accord. Donc tout de suite, il peut... chuter, bon, le véhicule peut chuter à tout moment parce que déjà le poids que le constructeur a prévu, c'est pas ça, ça a dépassé. Mmh. D'accord, donc il faudrait que ce truc là cesse, et vraiment, parce que beaucoup se plaignent. Nous avons eu beaucoup de rapports à la prévention routière togolaise, et nous sommes même en train d'écrire une note au ministère de la sécurité, au ministère des transports. C'est à cause de Covid là qu'on a attendu, justement à cause de Covid. Voilà. faut faire parce que même avec Covid là, voilà. C'est un peu plus grave. Voilà. Ouais. Donc normalement, avec l'arrivée du Covid, il doit mettre deux. Deux derrière. Mais ils sont à quatre. Mais ils mettent encore trois, quatre. Même maintenant, deux ils enfants. Vont à cinq derrière. Hein. Ils vont à cinq derrière. Je vous promets que lundi, je suivais une émission sur une radio. Les confrères journalistes se sont plaints, comme je le fais tout le temps ici. Ah, ok. Donc ils se sont plaints que le gars a vu cinq personnes derrière. C'est ça qui l'a choqué. Qui est derrière cette affaire-là? C'est pour ça que. Parce que vous avez dit qu'il y a plus derrière. Je dis, ou bien c'est qu'un intouchable qui est derrière l'affaire, c'est pour ça que depuis on en parle, personne n'a dit. Là-bas, qu'ils ont fait, c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Donc il y a deux devant en plus du chauffeur. Oui. Le chauffeur est au milieu là. Le chauffeur reste au milieu. Donc les deux le mettent ensemble. C'est ce que là. Trois derrière. Donc là, ça fait six. Donc il y a six personnes là-bas. Et des fois, les femmes derrière là ont encore des enfants. Attends, donc ça prend plus que taxi. Ça prend plus que taxi. Une voiture, quatre roues. Et c'est plus rentable que taxi. Ça prend plus que une voiture, cinq places. Non, mais attendez. En condition normale, même sans Covid, c'est dangereux pour la route. Voilà. Aujourd'hui, avec Covid, il continue comme ça. Et ça fait trois ou quatre semaines qu'on en parle, mais rien ne change. Sans bavette. Et beaucoup sans bavette, ou bien avec des bavettes qu'on a déjà utilisées pendant une semaine, non lavées. Et bon, on nous a dit de mettre dans la main. Sinon, quand j'ai abordé, ils ont des syndicats. Et apparemment, des mesures sont en train d'être prises. Jusqu'à quand? On verra bientôt. Donc, ouais, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué les sièges. Oui, c'est ça. Côté, oui. Une bonne adaptation, c'est très joli. La preuve, c'est que l'Africain aussi peut fabriquer. Ce qui cause l'accident, il peut fabriquer. Donc, ils sont en train de prendre des mesures. Ils sont en train de prendre des mesures. C'est quoi, en train de prendre des mesures? Non, ce que je dis, ils sont en train de prendre des mesures. Parce qu'ils vous ont dit, ils prennent quelles mesures? Oui, ils sont en train de sensibiliser. Non. Ils sensibilisent, disons. Jusqu'à quand? Ça dit, on peut essayer. Je ne sais pas. On ne va pas attendre. On ne va pas attendre ces messieurs-là. Oui, je sais. Ce que je pose, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe dans les gares routières. On met le nom qu'il faut à la station et c'est sur la route maintenant qu'on surcharge. Moi je les vois au niveau du rond-point Sintogo. C'est au niveau du rond-point Sintogo, ils sont pleins en même temps, là ils passent et les agents sont là en train de régulariser la situation. Personne ne leur dit rien. C'est vraiment déplorable. Ils mettent des bagages en haut des fois. Oui, mais des bagages aussi en haut, oui. Parce qu'il y a un coffre. Il y a une case derrière, on met un coffre, on met des bagages là-bas. Parce que la plupart des personnes qui empruntent ces commerces, ce sont les dames qui vont au port de pêche, qui quittent Agoué, souvent pour le port de pêche. Donc elles ont des bassines, des glacières, tout ça. Donc l'idée, c'est quoi? Les tricycles, là, il y en a de deux sortes. Mm-hmm. Il y a pour les passagers et il y a pour les bagages. Mm-hmm. Maintenant, vous allez voir, les soirs, au grand marché,
les tissus de bagages là, les gens mettent encore des passagers dedans. Mmh. Et tu vas voir des femmes jusqu'à 8, 10 oui, dedans. Les tissus à ciel ouvert. Voilà, à ciel ouvert. Alors que ça va prendre des bagages, mais on en met parce que, bon, ils ont dit, ils n'ont pas trouvé d'occasion, tout ça là. Ben c'est... Bon, je te dis, une fois à Bé, là-bas, au feu tricolore de Bé, j'étais en présence de ça et j'ai pris mon portable et je filmais. Un petit est venu, il voulait m'arracher le portable. Mmh. Que, à cause de quoi? Que pourquoi moi je les filme? Et que quelqu'un a dit, Odessa, mais moi. Que me le ouaïola, on a dit, mais fifi, il y a une photo que me le dire. Et puis, il s'est retiré. D'accord, j'ai dit, mais ça là, c'est inadmissible. Et puis, il y a la police là-bas. Mmh. Et ça dit rien. Mais il faut voir que lorsqu'il y a une chute. C'est le nombre d'accidents. On va dire accident de moto, oui, bon. Lise, ce que je dis, c'est que. On fait. Le constat, tout le monde fait ce constat-là. Mais que au lieu de 4 dans ces engins, non. Il y en a 6. Oui. Oui. Et puis les gens même s'ils montent dedans. Oui. Non, le passager, lui, dans sa réflexion, je veux aller quelque part à une destination, un point entre. Non, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas que c'était les sièges qui étaient ajoutés. Et ces trafics-là, ils aident beaucoup les gens qui empruntent souvent le grand contournement. Parce qu'il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas de taxi. Il n'y a que des motos. Oui. Mmh. Et les motos coûtent cher. Voilà, les motos coûtent cher. Parce que ce trafic-là, je pense, de Simao à l'échangeur, je pense, c'est 400, 300. Oui, à l'échangeur. Il y en a qui vont jusqu'au marché à Sili, à Guassi. Maintenant, ils disent qu'au début, ils ont fait un prix assez abordable. Et maintenant qu'ils veulent retoucher au prix, les passagers refusent. Ils vont retoucher au prix pourquoi? Parce qu'on a baissé le prix du carburant. Non, le prix du carburant, c'est. Non, le phénomène ne date pas de ils veulent retoucher le prix. Ils veulent retoucher le prix parce que ça ne les arrangeait pas trop. Pour une raison. La première raison, c'est que la moto, le prix de vente de ces engins là, d'achat de ces engins là à Lomé coûte plus cher qu'au Bénin par exemple. Excusez-moi, donc vous achetez votre marchandise et vous fixez un prix et ça ne vous arrange pas à la base et vous, je ne comprends pas. Ils ne connaissaient pas. Non, excuse-moi, mais c'est en utilisant le taxi, la moto, qu'entre temps ils se sont rendus compte que j'ai acheté la moto à quel prix, il faut que je rajuste. C'est quoi le problème? Non, là, écoutez ce que je dis. Non, au Bénin, c'est à 1 100 000. On est au Togo. Au Togo, c'est à 1 400 000. Le problème est où? Et maintenant, quand on fait le campé de ces engins là, c'est pratiquement le double triple, oui, 2 millions, et ils veulent à tout prix aussi amortir. Maintenant il y a un autre phénomène, pas un phénomène, mais il s'est fait que entre temps je crois que c'est, il parle de dossier qui avait mis ces gens d'engins à leur disposition à bas prix. Et ça les arrangeait un peu. Aujourd'hui, ils n'ont plus ces gens d'engins à bas prix. Ce qui fait que ils se disent qu'ils sont obligés. Non, c'est des arguments. C'est des arguments. Moi, je dis. C'est pas des arguments. Si j'achète un véhicule à 2 millions pour faire un service, je ne vais pas vouloir rembourser, gagner 2 millions, 2 semaines. Et puis, ce que moi, je dis, c'est que. C'est des arguments. Ils ont le monopole sur cette voie. Oui. Et donc. Prenez le peu que vous pouvez, allez faites le l'aller-retour. C'est une moto quoi. Et sur cette ça voie, consomme moins qu'un taxi et ils veulent. Et sur cette voie, il y a au moins 200 engins. 200 même, c'est pas. La station où j'étais, il y avait, il parlait de 130 qui se sont stationnés, qui font le tour. Oui. Et c'est pour ça qu'eux, ils vont mettre... Ils font le tour. Et quand on prend les autres stations... Si c'est pas rentable, ils n'ont pas sorti de ça, allez faire un autre commerce. Oui. C'est pas obligé. Parce qu'il y en a de... Le marché de Bé à type de... Oui, il y en a. Moi, des fois, je condamne aussi les passagers. Tu vois déjà que le véhicule... Exactement. Maintenant, tu te permets de rentrer encore. Moi, je vous dis... Moi, je vous dis, il faut quand même que l'autorité
C'est trois places derrière et le chauffeur. Un point, un trait. Il n'y a rien à faire. S'il faut revoir le prix pour arranger, entre guillemets, les transporteurs, revoyez le prix. Celui qui veut prendre le prix à 5, le véhicule à 500 ou à 600, c'est que c'est le prix du véhicule. S'il n'a pas les moyens de le prendre, Non, faut pas exagérer là. Je dis, hein. Faut pas que les gens prennent les autres pour des je ne sais pas quoi. Non, sérieux. Non, je pense qu'ils consomment à peu près comme une moto. Comme une moto. Non, ils consomment plus. Ils consomment plus. Oui, mais il ne faut pas consommer. Ça va pas, être comme un taxi. Le taxi qui prend les bonnes dames du marché jusqu'à Baguider, consort, c'est pratiquement le même prix. Non, c'est pas 400, 300. Oui. Ouais. Maintenant, eux aussi, ils prennent 7, 6 personnes. Le taxi qui devait prendre 5 personnes prend 3 personnes. Au-delà de la surcharge, qu'ils faisaient avant. Pourquoi est-ce que les mesures anti-Covid aujourd'hui, eux, ça ne les concerne pas? Pourquoi est-ce qu'ils font comme si ils étaient dans une autre république? Est-ce que les mesures les concernent pas? Tu vas te demander, est-ce que d'abord, celui-là, il est... comment dirais-je? Est-ce qu'il sait que la maladie existe vraiment? C'est ça le problème. C'est l'inconscience. Et puis tu vas voir que c'est vraiment des jeunes qui conduisent ça. Oui, mais on est jeune, mais ça dit qu'ils sont, très jeunes. Moi, je vois certains, je dis que moi, je ne peux pas acheter un véhicule pareil et donner ça à celui-là. Parce que la personne, non seulement, ne connaît pas d'abord la ville, ne connaît pas le code de la route, et ils se font du n'importe quoi. D'accord, tu les vois sur la ville, ils occupent la route, ils font du slalom, ils s'arrêtent n'importe comment. Et puis, le phénomène qu'il faut encore, lorsque le feu est orange, vers Fiat là-bas, fallait voir. Il file. Il file, dit que non, le feu rouge ne va pas m'arrêter. Pourquoi? Mais les policiers qui sont là pour tous les autres, là, ils n'agissent pas pour les policiers. Ils font ça aussi. Ils filent comme ça aussi pour ne pas s'arrêter au rouge, pour que les policiers qui sont à côté ne voient pas qu'ils sont de la surcharge. Donc c'est pour ça qu'ils filent. Quand ils font ça, ils savent qu'il y a d'autres policiers devant qui vont les rattraper. C'est là qu'ils passent par les blancs pour venir prendre le pavé pour arriver à Tikpodi au Grand. Mais je me dis que peut-être on ferme trop les yeux sur eux. Oui, on ferme trop les yeux. Je ne pas qu'on les juge. Au niveau du permis. Je me rappelle, on a été à une réunion là, le ministre de la Sécurité en avait parlé. Ça dit qu'on est en train de chercher ce qu'il leur faut, quoi. Ce qu'il faut. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on doit chercher aujourd'hui? Par rapport aux mesures, qu'est-ce qu'on cherche par rapport aux mesures Covid là? On a carrément enlevé. C'est un passager seulement qu'ils doivent enlever. Oui, passager qu'ils ont enlevé. Oui, mais maintenant ils n'enlèvent pas. Non seulement ils n'enlèvent pas, ils rajoutent. Or, moi j'ai vu un véhicule personnel, un monsieur, sa femme et ses trois enfants dans leur véhicule personnel. On les a pris. Non, mais ça aussi, il ne faut pas exagérer. Ils sont à la maison avec ses enfants. Mais si, c'est moi je dis, il y a de l'exagération. On prend ce monsieur-là avec sa voiture personnelle qui sort avec sa famille. Donc, si maintenant, il va faire comment? On laisse un enfant, il va prendre Zemmi. Non, on ne revient pas, j'ai fini d'abord. On prend ce personnel-là. Et on laisse les taxis là. Les toc-toc là, surchargés, on ne leur dit rien. La lutte est où maintenant? On revient. On revient au niveau du permis. Parce que quand je me suis renseigné, c'est les permis moto qu'on leur demande pour pouvoir conduire. Alors qu'eux, ils circulent avec. Et puis, on me disait que pour les premiers permis, ils avaient pris leur véhicule là pour faire les slaloms dans les nœuds, les trous, les slaloms sur les passages moto. Ce qui n'était pas adapté. Et on leur a dit, OK, faites vos exercices avec les motos deux roues. Pour conduire trois roues, c'est pas normal. Et prendre plein de personnes, avoir la vie des c'est gens pas normal. En mer. Donc, avoir il faut leur adapter personnes. un permis. Ce serait un permis typiquement togolais, mais un permis pour tricycle. C'est le permis A3 en principe. C'est le permis A3. C'est ça. Parce que tout ce qui est moto,
deux roues, trois roues, c'est le permis A. Donc il y a là, A1, il y a A2, il y a A3. Vous voyez, ça là, c'est déjà. Avec Agbeto, la femme même qui assiste d'abord, on l'a attaché. Avec un enfant, on l'a attaché. Et puis ils font de la vitesse. Si ils font maintenant, la femme la peut tomber. Et puis ce monsieur devrait être en casque, il l'a pas mis. Voilà, je connais pas voilà. Ça. Et puis eux aussi là, à côté sur la boîte là, ils mettent encore. Ils mettent des passagers sur la boîte, des radiateurs. Toujours deux. Ils mettent toujours deux. C'est grave sur la boîte. Si c'est des acolytes. Non, c'est une boîte de radiateurs ou de boîtes à outils. Ça, là, même là, c'est pas changé. Quand vous voyez ceux qui font les déménagements, vous allez. Regarde. Ils font les déménagements. Et celui qui déménage me met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, c'est pas Togo. Il doit avoir deux personnes. Oui, mais il y en a deux. Non, c'est pas Togo. Mais il y a pire que ça au Togo. Donc, c'est pour. Ils deux semaines en arrière, il y a un véhicule comme ça qui a chargé devant nous. On n'arrivait plus à voir de ce côté ni de ce côté. Il a tellement chargé, débordé qu'on ne voyait plus devant. Tant que lui est devant toi, tu peux pas voir. Même le feu picolant qui est devant. Ça là, normalement, on doit le prendre et le mettre en place. Mais ça passe sur la route. Il a pris la route de Adido Gomena. Il était devant nous depuis Café Informatique jusqu'à. On a dépassé le camp. Personne ne lui a rien dit. Bien. Est-il dit que le syndicat des conducteurs de ces engins à trois roues pour passagers a décidé de prendre le taureau par les cornes et de sensibiliser les transporteurs. Il y a un téléspectateur qui dit que le Togolais aime trop le mot sensibiliser. Mais si maintenant, c'est pas votre affaire de paralyser on a dit que trois roues, on ne peut pas faire la sensibilisation. On est trop sensible au mot sensibilisation. C'est pas votre problème. Jusqu'à un moment, on a dit non, maintenant on sensibilise plus. On sévite. Les gens qui n'ont pas les masques, quand on les prend. Tu vas acheter un masque. Oui. Vous rappelez des photos de moi et Joseph, enfin de Joseph et moi, quand on était à ce niveau où le monsieur artiste Tchatchola faisait son malheur. Mais c'était avec ces gars-là qu'on discutait. On est quand même allé leur parler. On leur a parlé, on leur a dit le bien fondé de ne pas mettre assez de normes dedans, de mettre les bavettes et tout ça. Ils ne vont pas dire que c'est aujourd'hui. Ils n'ont pas eu l'information. Ils n'ont pas eu l'information que c'est aujourd'hui. On va sensibiliser. C'est quoi sensibiliser là? Excusez-moi. Et dans les taxis, là, on les a pris à part. Les taximens, on les a pris à part, on les a déjà sensibilisés. Eux, c'est cuit, on peut manger. Maintenant, il faut qu'on prenne les tricycles aussi pour les sensibiliser à part. C'est comment. Non, ou bien le message qu'on a passé, on a dit spécial taxi. Non, tout le monde. Mais c'est clair, pourquoi est-ce qu'ils sont têtus et puis on ne dit rien? Non, ils sont têtus parce qu'on ne dit justement, on ne leur dit rien. C'est justement, ça se pose des questions. Ou bien eux, ils sont des intouchables. Oui, il y a un laisser-aller. Il faut que l'autorité fasse comme elle a fait pour les taxis, 5 places et tout ça. Qu'on mette des agents sur la route pour contrôler tout ce monde-là. Quand vous surchargez, au début pour les taxis, on descendait les gens. Quand vous surchargez, descendez le surplus et la personne ils passe. Disent qu'ils le font déjà. Qui font quoi déjà? Le syndicat se. Maintenant, vous voulez que le syndicat te dise quoi? Que oui, non, on surcharge. Je vous rapporte ce que le syndicat. Ils ont promis qu'ils viendront. Oui, laisse-les. Eux-mêmes n'ont qu'à venir dire ça ici. Mais je vous le dis. Parce que. On va leur rentrer dedans. Non, parce que s'ils m'ont autorisé, je n'ai pas volé les photos, ils m'ont autorisé à prendre les photos parce qu'ils ont des arguments à faire valoir. Ils n'ont pas venu. Les photos là n'est pas illustratives. Ne sont pas illustratives. Photos de. Machin, tout ça, on voit pas assez de nombre. Vous ils vont nous permettre de prendre photo surcharge là à 4 roues là. On est déjà sensibilisé, fatigué, mais ça n'a jamais changé. Et puis la nuit, ces véhicules de 3 roues là, ces cycles là, quand tu les vois venir, tu as quoi? Tu as quoi? C'est une moto. Alors qu'on est gabarit derrière. Si tu ne laisses pas un peu d'espace latéral, c'est fini. D'accord. Donc il faudrait qu'on leur a dit que de faire tout possible pour mettre un peu de gabarit de côté pour signaler la limite du véhicule. Mais ça n'a jamais été fait. Donc ce serait affaire du constructeur qui doit déjà au départ mettre ces feux-là. La plupart dans ces véhicules-là, ils garent d'une manière anarchique sur la voie. D'abord, la plupart de ces chauffeurs ne savent pas
leur positionnement sur la route. Où rouler. C'est pas une affaire de ça, pas ça. C'est que la plupart de ces gars-là, ils ne connaissent pas code de la route. C'est moto, ils savent gazer. Permis moto. Ils savent gazer. Et puis c'est passé. Ils vont faire permis moto. Imposer le permis impérativement. Et puis ils roulent comme des motos et c'est dangereux. Non, ils roulent pas comme des motos, ils roulent comme des motards. Des chauffards, Ils roulent à la place des motos. Au lieu de rester sur la chaussée d'une voiture à quatre roues, ils se mettent à côté et puis ça dérange un peu la circulation. Les tricycles, porte-bagages, tout, c'est le constat. Ils n'ont qu'une connaissance. Ils ne font pas d'efforts pour savoir où est leur emplacement sur la route. Mais là, à part ça, le fait est qu'il y a un problème de surcharge qui dérange même l'engin parce que ça détruit l'engin. Ouais. Ça, c'est pas notre problème, c'est l'engin. Ouais. Non seulement ça détruit l'engin, c'est eux qui veulent l'amortir. Mais il y a le risque. C'est le risque qui nous est arrivé. C'est pas l'amortissement de l'engin. Le problème, notre problème, c'est que nous sommes dans risque d'accident et risque de propagation de COVID. Voilà. Nous sommes dans une lutte commune. Oh. Et les gens font des efforts quelque part, d'autres ne font du tout pas d'efforts et ils sapent l'effort que le. Comment est-ce qu'on veut arriver au bout de cette maladie si on se comporte comme j'adore ça? J'adore le design de l'ici. Non, mais il y a une partie qui se tue à la tâche pour se consacrer à faire des efforts pour que la maladie, qu'on en finisse avec cette maladie. Mais il y a une autre partie qui s'en fout pas mal, qui ne fait rien. C'est pas qu'on ne fait rien. Bon, ils met le sable dans la chéquelle. Hein? Ils font tout pour. Si non, ça ne faisait rien, au moins, c'est bien. Non. Mais au niveau de la promotion routière, vous allez nous dire aussi que vous allez les sensibiliser encore ou bien vous-même là, vous allez faire quoi? Nous ne jouons pas le rôle de la police. Et donc, vous faites quoi? Nous, on sensibilise. Donc, on prévient. On prévient de dire ça là, c'est pas bon, ne le faites pas. Vous ne faites pas de lobby? Vous ne faites pas de lobby? Vous, parce que c'est la promotion routière, votre préoccupation, c'est la sécurité routière. Vous pouvez toucher l'autorité, vous avez une voix qui porte. Toucher l'autorité pour lui dire non, mais non, c'est un risque, vous faites pas ça. On l'a fait fatiguer. Nos papas l'ont fait, nous aussi. On continue pas à le faire, mais ça ne donne pas de trucs là. Même au Bénin, par exemple, la pension routière sort sur la route, fait des contrôles. Mais ici, il n'y en a pas ça. Vous avez demandé ça? Oui, hein? On l'a demandé. Mais sur cette question précisément de cette tricycle là, permettez-moi de faire une grosse parenthèse. Tu sais, il y a quand même un problème. Il faut voir d'abord qui sont les propriétaires de ces. C'est ça, j'ai dit. Il y a quelqu'un derrière. Il y a un sable derrière, c'est ça, j'ai dit. Même s'il y a quelqu'un derrière. Mais donc, ça ne sert à rien qu'on fasse une lutte commune contre le COVID. Ouais, non. Parce que je ne sais pas qui peut être une personne privilégiée autant et tellement que dans la lutte contre le COVID. Est-ce que sa propriété, c'est quelqu'un là, appelle leur chauffeur? Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sont propriétaires de taxi? Oui, mais est-ce que taxi, on ne suit pas? Au moins, est-ce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui sont propriétaires de Sotral? Même si dans Sotral, on n'a pas diminué. L'État a diminué. Donc, quelqu'un est plus puissant que l'État? C'est le même problème qui se pose au niveau des camions de sable. Des camions qui n'ont pas de feu, qui n'ont pas de frein, qui goûte de dégâts. Il faut voir qui est le propriétaire. Quand tu prends de chez, tu lis, tu redonnes. Bon, je reviens à. Maintenant, pas autre ici, ma parenthèse, c'est qu'on l'avait déjà évoqué sur ce plateau-là, sur le Congo, le grand contournement. Les gens se permettent d'enlever, de construire leur propre route. C'est-à-dire qu'ils construisent comment on peut appeler les intersections, les routes, ils débouchent sur les. Ils cassent les terres, ils cassent eux-mêmes les terres centrales, ils cassent le bord du trottoir, ils construisent leurs intersections. La route qui sort sur la. Personne ne dit rien. Ils enlèvent même. Peut-être qu'ils ont l'autorisation de la mairie. L'État construit, on débourse des milliards pour construire pour votre sécurité. Mais vous venez vous casser. Pas autorisé. Eux aussi construisent, non? On va revenir sur ça. Il y a des églises qui ont fait leur truc. C'est énorme. Faut aller les voir. Ils vont te donner. Et on argument, tu vas faire venir nous dire ça. Oui, mais non, c'est pour dire. Argument, biton. Non, c'est pour dire que si
là où l'État même a dépensé de l'argent pour construire, il laisse les riverains faire de n'importe quoi. Ce n'est pas les tricycles là qu'ils vont. Je ne vous suis pas dans votre logique. Parce que c'est votre logique. Je voudrais dire qu'en fait, que l'État ne réagit plus. A démissionné. Non, oui, l'État ne réagit pas. L'État nous pousse l'État pas. Sur ce point, l'État ne réagit pas. Il faut le dire. Parce qu'on casse. On casse la route, on casse la chaussée, on surcharge sur une route à grande vitesse parce que le contournement normal c'est une route express, c'est une route à grande vitesse. Et les gens filent dessus. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer ça comme une route à grande vitesse parce qu'on traverse à pied. Et puis carrément, lisse. Et puis alors une piste qui est un peu traversée, même les gens ne veulent pas traverser à pied. Il y a ce qu'on appelle ici un titan. Un titan qui a dépassé les poliers, les tricycles. Je souffle. À grande vitesse, un poids lourd à grande vitesse, ça renverse. Et les poids lourds cohabitent avec ces petits engins là sur ces routes, on ne dit rien. Non, c'est pas ça. Les poids lourds cohabitent avec ces engins sur cette route et ces engins se permettent d'être aussi inciviques. Et on ne dit rien. Et il y a des gens qui sont là pour contribuer à l'incivisme qui monte dans ça à 12, à 25. Ouais. Non, il faut qu'on commence par refuser. Non, mais c'est nous aussi, on doit commencer par refuser. Quand tu veux prendre ce truc-là et que c'est bondé, on te dit de monter quand même. Refuse. Ou alors tu es dedans, déjà, on veut te surcharger. Tu dis non. Tu descends, tu ne paies pas. Qui t'amène là où il veut t'amener? Mais c'est seulement depuis qu'on parle de cette affaire-là, on va continuer à en parler jusqu'à ce que... On va revenir sur les intercessions sécurité routière là au Togo. Tout est à revoir. Nous parlons, nous crions, mais rien ne change. Tout est à revoir, c'est vrai. Avec cette période... Sanctionner et sévèrement pour que les gens... Combien l'État n'a pas besoin d'argent ou comment? Sanctionner, payer l'argent? Il y a trop de laisser aller. Il y a un téléspectateur qui dit que si on commence pas à sanctionner, ce sont les mêmes passagers qui vont se plaindre que... Oui, là, il faut qu'on se plaigne. Mais ça va changer. Vous savez, ça se passe déjà. Quand, par exemple, toi, tu es dedans, on veut prendre quelqu'un, vous êtes déjà plein, on veut ajouter quelqu'un d'autre, et que tu commences pas à parler. Les gens sont dans ce truc-là, ils vont te dire, au moins, pléthore. Va acheter pour toi. Il y a des gens qui disent ça. Tu te prends pour qui? Nous, là, deux, mais va acheter pour toi. Les gens sont comme ça. Quand on prend une mesure, là, il y a des contents, il y a des pas contents. Quand on voit si l'intérêt public est content, si l'intérêt général est content, c'est bon. C'est bon. Passons. Mais c'est non, sérieux, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut que. Cet tricycle-là existe depuis. Moi, ça n'a jamais attiré mon attention. Ça attire mon attention maintenant parce qu'on est dans une période spéciale. Ils refusent de se conformer aux dispositions spéciales. Moi, je voyais ça depuis, mais ça ne me disait rien. Je ne savais même pas de voir combien de personnes il y avait dedans. Mais avec Covid. Moi, c'est trois derrière. Oui, avec Covid, mes antennes sont maintenant comme ça. Donc, trois derrière, deux devant. Ils font cinq. Alors que taxi, il prend trois. Papagaï et Alboblé. Ils sont six. Avec le chauffeur. Avec le chauffeur. Maintenant, ils en abusent. Maintenant, même ils mettent quatre derrière. Quand les gens sont un peu sévères là, on peut aller chercher moi quoi. Dites quand les gens sont comme Elonor et Daniel. Non, vous-même, on peut me mettre nous-même, on peut mettre 6 derrière. On va mettre 6 derrière. Donc, moi, j'ai une fois essayé pour le truc de bagages là. J'ai une fois essayé de m'asseoir sur la boîte là, vraiment de à peine 100 mètres. Je l'ai dit, mais quand j'étais au cirque, quand je descends, je ne pouvais pas parce que j'avais peur. Et puis, je vais tomber si je ne descendais pas. Il y a des gens qui sont non sérieux. Vraiment, c'est une question. Alors que l'État avait sorti une autre circulaire entre temps, mais ça fait plusieurs mois quand même, interdisant pour ceux qui transportent les marchandises, pour les tricycles, le transport de personnes. Et puis régulant aussi. Il te souvient, non? Oui. Mais là, tu as dit Non, mais sérieux, monsieur le ministre. Et puis en plus des tricycles, là, il y a également les pousses-pousses là, qui sont maintenant sur toutes les routes. Les pousses-pousses sont partout, qui roulent dans la circulation.
situation. Au temps du feu à Chény, ben à son âme, mais lui n'acceptait pas que les tricycles passent sur les routes goudronnées. Mmh. Les tricycles vont passer dans les ruelles pour transporter les bagages. Mais quand il te voit sur la route, mais il te prend tout de suite. Mais depuis qu'il est décédé, c'est fini. Non, sérieux, ça c'est un débat ouvert. On va en parler jusqu'à ce qu'on le trouve. Qu'une petite non, fille à cette affaire-là. On a parlé pendant 10 ans du rond-point. Allez, on continue l'émission. Continuez par le dire parce que, surtout vous, les médias, à chaque fois faites flash pour ça, dites-le, à chaque fois, nous aussi, nous sommes derrière vous. Bon, voilà, et vous aussi, il faut faire votre lobby, hein. Il faut arrêter de dire que vous êtes fatigué. Hein. Vous, on a parlé fatigué là, à Oulu. Continuez pas à parler. Hein. Il faut envoyer un topo, un mémorandum, un truc au ministre. C'est la prévention routière togolaise, quoi. C'est que vous avez une voix dans ce... Vous envoyez un truc au ministre, vous le voyez, vous le rencontrez, vous le dites. Ah non, non, non. Il ne m'oblige pas à dire certaines choses ici. Dis non. Non, non, c'est pas l'occasion. Donc, comme tu ne veux plus dire, je vais te chasser du plateau. Non, bye bye. On a pas souffert, Dieu va venir. Ciao, Joe, bye bye. On promet à nos téléspectateurs qu'on reviendra sur les phénomènes du grand contournement. Comment. La population a réussi à dénaturer le grand contournement. Oh non, très franchement, c'est quand vous voulez. Faire des photos. C'est fait, c'est vite fait. On a les images déjà. Allez, donc c'est quand vous voulez. Si, hein, si les frères de Rosario voulaient, c'est encore venu samedi prochain. On peut faire ça samedi prochain. Ouais. Depuis le 21 juin, ils ont été honorés, ils ont libéré. Amen, alléluia. Allez, on continue, on va finir tout de suite avec des dessins de Théo. Merci, monsieur. Ouais, Jean-Claude Clovis, David Niaoui, Jicoco. C'est pas fini. Je suis dans cette là. Est-ce que moi, je peux quand même vous appeler Jicoco? Non, appelle-moi Clovis. Oh, il y a un... I'm so sorry, I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Bueno, tout le monde fait des erreurs. Ralentissez. Bah, c'est ça. Ça peut arriver en fait. Vous voyez comment ils ont tourné la pub. Ils ont tourné en flashback. Ouais non. Ils ont tourné. Voilà quoi. Ça merci choque. Filmé. C'est pas, ça ne choque pas. Ça donne du choc. Ouais, ça choque, mais ça éduque. Traitement de choc. Rekadevi, comment tu vas? Oh, Rekadevi, c'est à toi, je dis bonjour. Je vais bien. Super. Non, je savais que tu allais bien depuis. Alors, on va dessiner la famille. Ouais. Papa, maman et les enfants. Bien sûr. Pardon, c'est papa, maman et les enfants. Là. Mais c'est ok, d'accord. Oui, mais en même temps, nous sommes en Afrique. Quand nous parlons famille, là. Les oncles, les tantes. Moi, si je vais les amener. Non, si moi, je vais les amener, on me demande de dessiner famille. Papa, maman et un enfant. Il faut que me fasse une attends, si on demande une famille africaine. Si on demande une famille africaine. Excuse-moi, il dit la famille. Papa, maman, un enfant. C'est moi qui vais me fatiguer à dessiner beaucoup de personnes. On fait comment? Il faut demander à ta fille de te citer ta famille. De citer le membre de ta famille. Allez, on commence par quoi si on doit dessiner la famille. Voilà. Donc c'est une question de taille, c'est une question de proportion. Il faut que déjà on voit la différence au niveau du croquis. Donc si là par exemple vous avez mis cette barre là pour les adultes, donc il faut savoir où mettre la barre pour les enfants. Ils sont debout, ils sont assis.
Non, on va les faire debout d'abord. On va essayer de faire un truc de buste et puis ensuite. Rapidement, enseigne. Voilà. Demain, on continue. Vous savez que vous, c'est à cheval. Ouais. Et non, à moto. Est-ce que tu peux attendre? Ok, d'accord. Donc, voilà. Si nous avons là le papa et que nous avons là la maman, donc pour ce qui est des troncs, il faut essayer de faire le croquis en tenant compte. Pas. Ça arrive. Hein. Ouais, c'est top. C'est cool. Donc, entre-temps, on avait appris ici que pour le torse de l'homme, on pouvait utiliser ça comme figure et utiliser l'inverse. L'inverse pour la femme. Pour la femme. Oui. Voilà. Pour se faciliter la tâche. Donc, comme ça. Et si vous voulez, après ce croquis-là, si vous voulez maintenant jouer sur la taille au niveau des deux personnages, c'est là que vous pouvez l'ajouter ici. Peut-être pour que l'homme soit un peu plus... Il n'est pas obligé d'être plus grand que la femme. Voilà, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Mais vous avez été la première personne à faire la remarque. Et donc, pour les enfants, donc on peut déjà placer un ici. En tout cas, moi, ma fille, elle est à l'épaule. Hein. Oui. C'est là, si moi, je ne grandis plus, elle va dépasser. On peut placer un autre là. Comme pas que je vous néglige. Et on peut placer... si c'est la dame avec les 32 enfants, au 42, je pense. 47. Maman 47. À 37, 48. Comment je me rappelle déjà? Donc, 48 voilà. Enfants à 37 ans. Et donc, on peut mettre là un garçon, comme ça. Et ici, on peut mettre une fille. Ainsi de suite. Et là. Donc, pour ce qui est des proportions, au niveau des âges, je pense avec mon document, par exemple, vous avez une page où j'ai essayé de mettre un dessin qui explique tout ça. Donc là, les proportions de la taille humaine. Selon les âges. C'est voilà. Quel tome? C'est tome 1, tome 2. C'est le tome 2. C'est le tome 2. Voilà, à la page 51. C'est un document qui est dispo. Si vous en voulez, vous touchez le bas là simplement. Et puis, c'est un document réalisé par Déo qui vous donne toutes les armes du dessin. Sous ma houlette. C'est ça, bien sûr. Voilà, donc ici, le tronc fait 4 fois la tête. La tête. C'est à 1 an ça, à 3 ans, le tronc fait 5 fois, à 5 ans, le tronc fait 6 fois, à 7 fois, à 10 ans, 8 fois, voilà, ainsi de suite, 7,50, okay. Et 8 fois, voilà. Et 8 fois. Donc, c'est fonction des âges. C'est fonction des âges. Que le... okay, voilà, donc comme ça, si vous voulez dessiner une famille, ce qui veut dire que vous avez la taille normale du papa, la taille normale de la maman. La mère. Voilà. Et on peut déjà distinguer les enfants et puis l'âge qu'ils ont approximativement à travers leur taille. C'est ça. Maintenant, après ça, il y a au niveau du visage aussi qu'il faut ressortir et l'âge du personnage. Parce que l'enfant, on peut dessiner l'enfant, mais lui faire une tête vieille, des jeunes gens de Guizeré, voilà. Donc, là, par exemple, pour ce qui est de l'évolution du visage. Non, mais attendez. L'autre là, c'est fini? C'est pas fini. Ok. C'est pas fini. Donc là, pour ce qui est du visage, l'évolution, là, pour le bébé, c'est juste un arrondi. Pour le bébé, c'est juste un arrondi. Donc, quand l'enfant était large adolescent, donc nous avons la taille au quart qui s'ajoute, donc une taille comme ça qui s'ajoute pour faire un adolescent. Et donc pour faire un jeune, ça fait carrément la moitié qui s'ajoute. Donc on a ça, et à partir de là, donc ils ont avec 5 ans, à partir de là, ce sont les rides qui commencent par pousser au niveau du visage. Donc voilà, ici par exemple on a ça, donc là nous avions appris à faire la répartition ici. Donc voilà. Et voilà. Donc l'oreille là.
À partir de là, ce sont les rites qui commencent. Donc ici d'abord, la ligne de sagesse. Cette affaire-là, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, en dessous des yeux aussi, on peut avoir ces plis-là qui se font voir déjà. Donc, ainsi de suite, c'est comme si... Ça, c'est les cousins de Gracia. Voilà, c'est comme si c'était un arbre et ses branches. Donc, au niveau du front aussi, on peut avoir les premiers plis qui sont là. Donc, c'est comme si c'était un arbre avec des branches. Ça commence par se multiplier au fur et à mesure que l'on évolue en âge. Donc, ici, par exemple, vous allez voir les plis qui font des branches ici à ce niveau. Voilà. Donc, ainsi de suite, là... Là, plus l'âge passe, plus les plus branches passent. Voilà. Et donc, on commence par remarquer même ici. Voilà. Ouais. Vraiment. Donc, ça donne l'air d'une vraie mémé. Oui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné aussi, on peut remarquer que les joues tombent. Ça se cache ici. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'à un moment donné aussi, même les lèvres commencent à donner. Voilà. Allez. Carrément. Demain, on continue, on finit la famille. Demain, Montrer un peu le. Ça, c'est les visages qu'on va faire aux gens. Là. Voilà. Et donc, demain, on continue par laisser la famille. On reprend donc alors, le schéma. Le schéma. On va aujourd'hui, entraînez-vous sur ce schéma-là pour voir. Essayez de dessiner, basez-vous sur ce schéma pour dessiner. Voilà. Demain, on va voir. Voilà. Et si les gens font de bons dessins, vous envoyez ça, on pourra les passer demain. La famille que vous aurez dessinée, vous les envoyez sur le numéro de le balade demain quand on sera dans la rubrique de Déo et on passera vos images, famille. Avec vos noms, hein. Super. Merci Déo d'avoir commencé ce dessin dont le livre est dispo. Oui. Montrez-le, s'il vous plaît. Mon cours de dessin. Mon cours de dessin qui existe en deux tomes, tome 1 et tome 2, oui. Pour tous ceux qui veulent dessiner. Bon, si vous avez ce livre, vous pouvez jeter Déo à la poubelle, il n'y a pas de souci. Il y a son petit génie qui l'a mis dans le livre et qui vous apprend à dessiner. Le livre est dispo, vous pouvez l'avoir. C'est à... 2000 francs, c'est à 2000 francs l'unité, le tome, donc 4000 pour les deux, le numéro de le bala et puis on pourra vous envoyer les livres là. Merci. On n'a pas encore vu sur le livre, mais le temps de voir le livre, je dis quand même merci d'avoir été là depuis 8 heures. Très bien. Voilà, il y a. Merci d'avoir été là depuis 8 heures, donc de nous avoir supporté. Si vous nous avez suivi, merci. Mais si vous nous avez subi, désolé. Mais si vous avez subi, on se donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Oui, même chaîne. À demain. Demain, c'est comme ça que j'annonce les couleurs de ma tête de demain. Donc, Déo aussi a annoncé ses couleurs. Coronavirus. Emmanuel Asiakese.